1-0. Cette semaine aux courses débute dans 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Amateurs de course, bienvenue à cette semaine aux courses en ce dimanche 30 mai, le début d'une nouvelle ère pour les gars de course. Bienvenue dans nos studios de Saint-Hyacinthe, dans les quartiers généraux de Driver Performance. Vraiment un privilège de vous retrouver aujourd'hui. Quelques heures seulement après le premier week-end de compétition sur les pistes du Québec, il y a eu de l'action à Vallée-Jonction. Il y en a eu, bien sûr, à l'Autodrome Green Bay. C'est là où nous étions en fin de semaine pour la couverture complète du super week-end de compétition vendredi et samedi. On ne sait pas maintenant ce que l'avenir nous réserve, mais une chose est sûre, on a abondamment de choses à vous parler aujourd'hui. En mon nom est Anthony Marcotte, bienvenue à cette semaine aux courses. Tommy Lavallée qui est en ma compagnie. Tommy, pas le choix d'avouer là, que je suis particulièrement excité d'être ici ce soir. On a mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour arriver fin prêt à cette journée très, très importante pour notre projet des gars de course. Oui, il faut savoir que durant toute la saison morte, on avait des messages d'Alex Lajoie qui nous montrait, d'ailleurs on va le recevoir un peu plus tard, là, qui nous montrait l'avancée des travaux ici. Puis évidemment, ça nous donne encore plus le goût de faire le show ici. C'est bien le fun de faire des shows avec Zoom, là, mais c'est toujours plus le fun de le faire en personne. On avait tellement hâte d'être ici, puis finalement, bien, ça s'est passé tellement vite. C'est comme les courses sont arrivées un peu plus tôt que prévu. Les studios, nous autres, ils sont arrivés pas mal plus tôt que prévu dans notre, ouais, dans notre le plan qu'on s'était fixé. Mais quand même, là, super content d'être ici aujourd'hui, puis bien content qu'on puisse vous montrer ça là, dès ce dimanche. Alors, à partir de maintenant, on fera l'émission d'ici à Saint-Hyacinthe. Ce sont aussi les quartiers généraux pour toute l'équipe de Donovan Lucier et de Driver Performance, de Driver Academy. Donc, derrière nous, vous avez justement le garage de course. Juste à côté, il y a également le dyno où le service est offert justement aux équipes de course du Québec de venir tester leur moteur. Tout ça est ici et on est en plein dans la boutique de Driver Performance actuellement. Donc c'est Alex Lajoie, ni plus ni moins, qui nous ouvre les portes de son bureau et nous on va être installés ici. Et dans un proche avenir, bien, vous le voyez d'ailleurs là, sur les photos qu'on a prises hier, bien, ici dans le temps normal, lorsque la vie reviendra à la normale, bien, c'est ici qu'auront lieu les meetings de course. Donc, c'est un endroit parfait, justement, et ce sera aussi un endroit très rassembleur pour notre projet. Oui, vraiment, c'est très le fun, puisque avoir un studio dans un garage de course, ça peut pas être plus gars de course que ça, Anthony. Exact. Là, on nous présente, mais derrière la caméra, vous voyez pas, mais il y a des sacs, il y a des casques, toute la gamme K1 aussi à vendre, tout qu'est-ce que Driver Simulation, Driver Performance vend. On a dyno, comme tu as dit tout à l'heure, tu as un moteur derrière toi, le moteur de Donovan qui a brisé vendredi soir. Oui, ben oui. Mais tout de même, on est vraiment dans une ambiance de course, ça sent les courses ici, on a une Formule 1600 dans le studio, donc on peut pas demander mieux, là. Ouais, c'est vraiment palpitant, c'est vraiment le fun. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on vous a préparé tout un menu pour revenir évidemment sur toute l'action en fin de semaine du côté de Green Bay. David Hébert, qui est le nouveau meneur au championnat de la saison 2021 après deuxième place en fin de semaine. Mais il est ici, déjà arrivé, et ce sera avec nous dans les prochaines minutes pour nous parler de son premier week-end de compétition. Il faut absolument recevoir Dominique Lucie. Il va être avec nous également pour en savoir un peu plus où on se trouve actuellement avec toutes les consignes de la santé publique pour l'avenir de nos courses. Est-ce qu'on ira en course la semaine prochaine ou non? On ne le sait pas encore, mais peut-être que Dominique aura davantage de nouvelles à ce sujet à nous apporter tantôt. Alex Lajoie va venir également nous rejoindre pour nous parler du projet de Driver Performance, de Driver Academy. Et puis par la suite, vous aurez les segments habituels. On va revenir sur l'actualité des courses
IndyCar, c'était les 500 000 d'Indianapolis aujourd'hui. Cédric Blondin va être avec nous. On va jaser de NASCAR parce que l'épreuve du Coca-Cola 400 est toujours en cours du côté de Charlotte Motor Speedway. Et on aura en fin d'émission les choix du président des gars de course, Tommy Lavallée, avec des faits saillants de course comme d'habitude. Et vous pouvez d'ailleurs consulter là, tout au cours de l'émission nos différents résultats. Disons, Tommy, qu'il y a eu pas mal moins d'action que d'habitude en fin de semaine. Beaucoup de pluie du côté américain. Oui, il fallait le voir vendredi de la tour des annonceurs à Granby lorsqu'on regardait vers les États-Unis. C'était très couvert. Il y a eu des. Vraiment, jusqu'à Burlington, il y avait de la pluie partout. Beaucoup de programmes qui ont été cancellés du côté des États-Unis. Vous allez voir que le ticker là, de résultats est beaucoup moins étoffé que la semaine dernière, puisqu'il y a eu beaucoup de cancellations. D'ailleurs, la série Gros Bloc aussi, qui est en action ce soir du côté de Weed Sport, on va suivre de ça là, en parallèle avec l'émission. Mais vraiment, c'était plus difficile du côté des États-Unis. Nous, on était chanceux à Granby. Il y a eu vraiment là, une météo parfaite. Un peu frais, oui. Mais au niveau là, de la météo du soleil, là, c'était parfait. Absolument. Donc, rentrons dans le vif du sujet et revenons un petit peu sur ce qui s'est passé en fin de semaine à l'autodrome Granby. L'ouverture, le super week-end, deux jours de compétition. Et lors des deux soirées, d'abord, Tommy, très important, mesures sanitaires respectées A1 et plus de 100 voitures sur le site pour les deux journées de compétition. Encore une fois, Anthony, ça me surprend parce qu'on le sait, c'est pas facile pour les compagnies là, présentement avec la pandémie. Il y a plusieurs compagnies qui n'ont pas de revenus, mais tout de même, les commanditaires reviennent, les équipes s'équipent justement. Beaucoup de voitures, toutes les fois, ça me surprend. Les voitures ont été bâties peut-être un peu plus rapidement qu'habituellement parce qu'on ne s'attendait pas à courir aussitôt que ça. Mm. Mais tout de même, là, des très bons pelotons, près de 30 voitures à modifier, près de 40 en sportsman, plus de 20 en sport compact, puis je pense qu'il y en avait 16 en pro stock. Mais tout de même, encore une fois, quelle réponse de la part des équipes. Et au niveau des spectateurs, là, je vais vous en parler un peu plus tard dans mes choix du président. Vraiment, là, félicitations à tous ceux qui étaient là, les équipes aussi, vous avez tout respecté les mesures sanitaires. Moi, ça m'a beaucoup impressionné. Les gens de bonne humeur, incroyable. Ça fait longtemps que je fais des courses, mais c'était particulièrement évident en fin de semaine. Les gens étaient de bonne humeur, avaient hâte de revenir aux courses. Et j'ai vu très peu de gens se plaindre du port du masque. On se doit de l'accepter, on n'a pas le choix, sinon on n'ira pas aux courses. Donc, les gens l'ont accepté et ça nous a donné quand même un week-end tout à fait particulier, de la bonne compétition sur le circuit. Et si on revient justement sur le programme d'abord de vendredi soir, on vous présente des images en ce qui concerne la course de vendredi chez les modifiés. Steve Bernier qui a offert toute une démonstration de son talent. On le sait, les Bernier arrivent souvent un cheveu sur la soupe lors des programmes de course. Ça n'a pas été différent pour le premier soir de l'année. Ils sont arrivés en retard et Steve Bernier avait des problèmes de transpondeur. Donc, ça a compliqué un petit peu son début de soirée. Mais quoi qu'il en soit, il a fait vraiment une démonstration de vitesse absolument incroyable. 18e au départ, victoire au quadrillé après 40 tours. Oui, Anthony, lorsqu'ils sont arrivés, nous, on a un petit pool là, maison. Là, on essaie de deviner l'heure d'arrivée des Berniers. On a beaucoup de plaisir avec ça. Mais ils sont arrivés, ils ont embarqué dans les time trials. Il faut le savoir, là, lorsqu'on fait des programmes comme ça, évidemment, pour ne pas pénaliser personne, on fait des temps chronométrés. Et Steve Bernier n'a pas pu effectuer de temps. Donc, il est parti dernier dans sa qualification, a été chercher une place parmi la course, mais n'a pas été dans les 12 premiers. Donc, il est parti 18e. Et vraiment, c'est une voiture vraiment compétitive. Malheureusement, on n'a pas d'image de la course de vendredi puisqu'on a un petit problème de carte SD. On voyait les images de la course de samedi en modifié. Voilà. Mais tout de même, vendredi, Steve Bernier, c'était incroyable là, à quel point il était rapide. A dépassé David Hébert là, qui menait jusqu'à ce moment-là. Mais toute une course de la part de Steve Bernier. Et lorsqu'il est sorti cette voiture, il était essoufflé. Je pense qu'il a travaillé très fort pour remonter le peloton. Puis la course a été marquée malheureusement dès le premier tour, premier départ, par un accident majeur qui a abîmé pas mal de voitures. On a appris d'ailleurs que Danny Gagné est arrivé en retard samedi parce qu'il a dû changer le châssis de sa voiture. Mm. Donc, beaucoup de changements à faire. Martin Petit aussi a endommagé sa voiture. François Bellemare, très endommagé. François Bellemare, beaucoup de voitures endommagées malheureusement. Puis il n'y avait pas un tour de fait en finale. Ouais. La beauté, c'est que tout le monde était présent le lendemain. Mais quoi qu'il en soit, là, toute une performance de Steve Bernier qui a terminé premier devant David Hébert. Ça risque d'être une lutte encore une fois entre les frères Bernier et Hébert, mais toute une lutte encore une fois. L'équipe du 1 aime ça terminer sur le podium. C'est ce qu'ils ont fait. Elle préfère la première position, mais quand même, Mario Clerc qui est venu compléter.
Est-ce que c'est justement l'accident? Voilà, on vous montre actuellement le carambolage dès le tour initial vendredi soir, des images captées à l'intérieur de la ligne des puits. Ça a cogné quand même très solidement. Donc, Mario Hotler, première sortie pour le 1 externe. Faisait du bien de revoir ça. Je sais que pour toi, c'est un numéro très, très particulier. Oui, bien le 1 externe, ça fait partie de mon enfance. Hein? C'est Steve Payne. Je l'ai répété à plusieurs reprises. Mon oncle m'emmenait voir les courses à l'1 externe. J'ai tellement fait de dessins du 1 externe. Je pense que mon orange ne fonctionnait plus à la fin. Mais vraiment, là, content de revoir le 1 externe en piste. Et je pense que tous les gens qui ont pu voir Luc Plante avec cette voiture-là, Steve Payne, ont eu des bons souvenirs. Ouais. Puis au niveau de la nostalgie, c'était parfait. Puis Mario Clair, là, vraiment une très, très belle course. Je pense que s'il y a eu plus de tours un peu, aurait été chercher David. Très, très confortable dans sa voiture, aucun doute. Aux abords de piste, tout de suite après la finale modifiée de vendredi, le collègue Dave Parizeau est allé prendre un print de jasette avec le gagnant Steve Bernier. On s'en va écouter ça. Beaucoup de recherches, on s'est creusé la tête. Je pense que ça va porter fruit cette année. Chapeau à ma gang. On travaille tellement fort là-dessus. L'excavation qui est commencée, c'est des grosses semaines, mais écoute, je suis très content. Parti asseoir un peu avec la misère avec mon transpondeur qui ne marchait plus. Puis écoute, faut pas baisser les bras, je suis content. Même s'il y a des soirs que ça ira pas bien, ma gang baissera pas les bras. Ben, félicitations Steve, puis je t'en souhaite d'autres en 2021. Merci. Steve Bernier, le vainqueur de la première finale en 2021. Oh, on y va avec le moitié-moitié. Voilà pour les propos de Steve Bernier. Mon coup de cœur du programme de vendredi, Tommy, a certainement été le duel épique auquel on a assisté en Sportsman. Quelle bagarre entre Cédric Gauvreau, l'éventuel gagnant, et Samuel Charland. Oui, on ne s'en cachera pas, Anthony. Là, si on nous avait demandé avant le programme qui qu'on pensait qui était pour se battre pour la victoire, peut-être que Gauvreau et Charland n'auraient pas fait partie des choix. Mais tout de même, là, c'était incroyable de les voir lutter. Oui, on se respectait sur le circuit, mais on se faisait pas de cadeaux. Des slide jobs, vraiment. Samuel Charland, pilote d'asphalte, on le sait, très talentueux. C'est toujours une période d'adaptation. Mais je pense qu'il est arrivé là, en Sportsman. Puis Cédric Gauvreau, là, vraiment là, surpris. Première victoire pour le pilote de Gatineau au Québec. Il va être à surveiller d'ici la fin de la saison. Oui, c'est une voiture qui est flambant neuve, qui a été préparée par l'équipe des Berniers, justement, au cours de la saison morte. Et Gauvreau a été très rapide toute la fin de semaine, au pied du podium, en quatrième place hier soir dans une finale de 30 tours. Mais Samuel Charland, vraiment, vraiment impressionnant. On sait qu'il est le beau-frère de Félix Murray. Il y aura assurément une belle rivalité entre ces deux-là au fil de l'année, parce que Sam a eu le dessus dans le programme de vendredi, et c'est Félix qui a été meilleur hier. Dans la finale de 30 tours à Grand Bay. Donc, salutations à Sam Charland. M'a beaucoup, beaucoup impressionné. Et il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'il va faire partie des prétendants à la victoire à partir de maintenant. Oui, il va falloir le surveiller. Évidemment, on a également William Racine qui va être à surveiller. Excellent pilote. Alex Lajoie, malheureusement, qui a eu des problèmes lors des deux courses de la fin de semaine. Mais on va le voir encore beaucoup de pilotes là, qui peuvent aspirer à la couronne que Kevin Racine a laissée libre. Chez les Pro Stock, Bruno Richard est venu l'emporter vendredi soir dans une finale de 30 tours. Et chez les Sports Compact, Danick Sylvestre, toute une fin de semaine pour le jeune pilote, a remporté les deux finales en Sport Compact. Beaucoup de bris mécaniques en Sport Compact. On a perdu certaines voitures le samedi. C'était à prévoir. Il y a eu des moteurs qui en ont beaucoup arraché dans le programme de vendredi. Oui, mais Danick Sylvestre, avec ses deux victoires, a prouvé deux choses. Sa voiture va vite puis est fiable. Ouais. Donc, c'est tellement important dans la classe Sport Compact. Deux belles victoires comme ça. J'ai parlé avec Danick cet hiver. On vise rien de moins que le championnat. Puis jusqu'à présent, c'est très bien parti. Samedi soir maintenant, allons voir des images de cette finale épique de 75 tours chez les modifiés. Quelle finale on a eue, Tommy? Honnêtement, c'était tout un show. Du début à la fin, ça a été bon. Piste extrêmement sèche. On a commencé ça de bonne heure, sous un soleil radieux. Et en plus, il y avait beaucoup de vent. Donc, c'était impossible de garder du collant dans cette piste-là. Et vous le remarquez, là, c'est encore là, plein de clarté lorsqu'on a débuté la finale de 75 tours. Mais détrompez-vous, ça n'a pas été une course de train. Mais loin de là, quelle bagarre on a eu. Ça a été extraordinaire comme finale. Oui, puis dès le départ, on a eu quand même des changements, puisque on a vu David Hébert partir sixième, puis a reculé assez rapidement, avec des problèmes avec sa voiture, a causé un jaune, a été dans les puits, a fait des réparations et a remonté.
vraiment mon coup de cœur dans cette finale-là. Oui, on a eu une belle victoire de la part de Steve Bernard devant David Hébert, mais Allen Terrien, quelle course pour lui, Allen. On le sait, il ne vient pas souvent à Granby. Le vendredi, c'était un peu plus difficile, alors qu'on voit présentement l'accident sérieux de Mathieu Boisvert. Mathieu Boisvert qui est rentré dans la courbe numéro 3 et l'accélérateur est resté pris au fond. Donc, ça a rentré très solidement dans le mur. Et pour en revenir à Terrien, très belle course de sa part. Il faut le dire, Allen Terrien, c'est un des pilotes qui excelle le plus lorsque les conditions sont sèches. On l'a vu à Drummondville contre les gros blocs, alors que c'est super sèche, est en mesure de faire fonctionner son 358. Mais quelle lutte à l'avant! Steve Bernard a dépassé les deux Bernier. Les deux frères se battaient pendant un bon bout de temps, puis à un moment donné, Bernard est venu mêler les cartes. Oui, puis on a vu Steve avoir des difficultés pour le reste de la course, mais au moment où est-ce que Steve Bernard a passé les deux Bernier, les deux étaient encore très rapides. Puis Bernard avait vraiment la voiture à battre. On a vu Hébert faire toute une remontée. D'ailleurs, Anthony, tu as dit que c'était une de ses meilleures performances. On va pouvoir en discuter avec lui. Mais reparti 27e, remonter ça, était tout juste dans le derrière de Steve Bernard, en arrière, dans le bumper. Ils sont arrivés dans les voitures un peu plus lentes. Ça a été un peu plus difficile pour David. Il est revenu au dernier tour à tenter l'extérieur, mais il n'y avait plus vraiment rien dans le milieu de la piste. Mais Steve Bernard, toute une victoire. Évidemment, on a brisé un moteur lors des essais de début de saison. Evan Racine a brisé un moteur le vendredi. Je pense que pour l'équipe Bernard, c'est vraiment un baume sur les plaies. Oui, absolument. Et Steve Bernard, on le sait, on lui répète souvent, je suis convaincu qu'il est tanné de se le faire appeler, mais le seul championnat qui lui manque à son tableau de chasse, c'est clairement sa piste locale de l'Autodrome Granby. C'est une piste qui est compliquée à Granby. C'est pas tout le monde qui est capable d'y excéder, mais Bernard, quand même, très bonne fin de semaine. Sixième vendredi, il l'a emporté dans la finale de 75 tours hier soir. Donc, à prendre au sérieux, aucun doute là-dessus. Si le moteur Michaud tient le coup, là, on va avoir une très belle saison, c'est certain. Puis un autre pilote qui a très bien fait, Anthony, c'est Michael Parent. Deux fois quatrième, ouais. Michael Parent. C'était impressionnant de le voir sortir de la cour numéro 2 à l'intérieur. La puissance dans la voiture 25P. On avait réussi à accrocher cette voiture-là. C'était incroyable. D'ailleurs, on voit lorsque David est venu très près de Steve Bernard présentement à l'écran. Avec Paul Saint-Sauveur comme voiture retardataire. Oui, David a tenté par l'extérieur, a réussi à dépasser, mais il n'y avait vraiment plus rien à la sortie du virage. Donc, a dû revenir derrière Steve Bernard. Mais Michael Parent, très belle finale les deux soirs. Puis il y a quelque chose qui a changé aussi, Anthony. Et notre collègue Martin Savoie nous faisait remarquer ça lorsqu'il est allé voir pour la voiture de Mathieu Boisvert. On a ajouté de l'inclinaison dans les circuits, dans les courbes. Donc, si tout le monde était habitué à Granby, comme on la connaissait avant, on a ajouté du banking dans les virages. Donc, oui, l'entrée de virage change. Est-ce qu'il va y avoir un peu d'ajustement qui vont changer sur la voiture? Donc, tous les pilotes, ceux qui n'avaient pas été pratiqués, c'était tout nouveau pour eux. Exactement. Alors, toute une finale, vraiment. Félicitations à Steve Bernard. On vous a gardé deux entrevues qu'a réalisé Dave Parizeau sur le circuit. Allons entendre le cowboy Steve Bernard qui l'emporte dans la finale de 75 tours. Et également Allen Terrien, sympathique pilote de Victoriaville qui ramène ça troisième. Son frère Alex, lui, a terminé au cinquième rang. Donc, ça a été vraiment toute une soirée pour le clan des Terriens. David était très, très fort. Tu as réussi à tenir ça. Tu avais une super bonne voiture. Ça doit faire du bien parce que les deux dernières saisons ont été plus difficiles, mais ce soir, là, tu as été chercher toute une victoire. Ah oui, ça fait vraiment du bien. C'était une track qui était super capricieuse. Quand le jaune est tombé et que je m'en allais rapprocher Steve, puis que là, il m'avait vu, j'étais déçu. J'ai dit, hey, il va voir ma ligne. C'est des gars super intelligents. Et j'étais sûr qu'il était pour la voler, puis il a décidé de remonter, fait qu'il m'a laissé le champ libre. Surprendre François, ben écoute, ça, c'est le best, là. Il était en avant, puis il roulait, là, je suis super content, fait que... On a eu toute une soirée, je veux remercier mes commanditaires, c'est sûr, RobertBernard.S, Châtel, RPM, Michaud. Michaud, je veux vraiment, vraiment te remercier, puis c'est pour toi, celle-là, parce qu'il a remonté le char, le moteur à mon fil dans la nuit pour qu'il puisse courser. Donc, sur ça, merci Pep pour le setup, puis j'espère que vous avez aimé ça. Le Cowboy, Steve Bernard! Avec le papa Clément qui est très content. Allen,
T'as connu tellement de malchance. À Grimbay, vous venez pas sur une base régulière, mais là, ça va te donner le goût, par exemple, avec une troisième comme ça. Ouais, ben j'en avais parlé avec Doom un petit peu cet hiver. J'aimerais ça venir le plus souvent, je travaille, mais là, j'ai un bon boss et des fois, il dit si tu veux y aller, tu y vas. Fait que j'aimerais ça venir plus souvent, plus régulier. Question d'être dans le game autant qu'eux autres qui courent vendredi, samedi, dimanche. Tu sais, c'est mouillé un soir, on vient, c'est plus dur, mais là, Grimbay, elle fait du bien en tabarouette. C'est comme une victoire pour nous autres. Écoute, ça a été toute une fin de semaine pour la famille Terrien parce qu'Alex a très bien performé, malheureusement, des petites bad luck. Ce soir, ben vous finissez très proche les deux. Ah ouais, on n'est pas loin là, de la coche. Là, tantôt, on était mêlés un petit peu, on est allé voir François Bernier. Genre, merci François, tu sais, il joint pas, il nous aide, puis il nous bullshit pas. Il m'a aidé, là, type la finition, puis en finale, ça a paru. Alex, hier, il a bien performé, la bad luck encore, mais ça se place tranquillement. Là, si on commence à courser autant que les autres, je suis capable d'être dans le game en masse. Ben, félicitations, Alain, puis je suis content de te voir le sourire à travers le masque. Alain Terrien qui termine troisième ce soir. Paraît-il que Clément Terrien est encore accroché dans les nuages, là, il porte pas de terre encore. Très content pour ses deux fils. C'est le fun de voir aussi les enfants d'Alain Terrien continuer de grandir puis tout ça. Alain est quelqu'un que je connais depuis longtemps, on vient du même patelin, donc j'étais très, très, très content de le voir performer de la sorte hier soir. D'ailleurs, si Alex ne connaît pas d'ennui vendredi, il finit probablement dans le top 5 encore une Exactement. Fois. Exactement. Très, très bonne fin de semaine pour les Terriens. Un petit mot chez les Sportsmen. Hier, c'était une finale de 30 tours et c'est Félix Rouen qui partait premier et qui n'a jamais été détrôné du premier rang. Très rapide, Félix Rouen. A eu des difficultés vendredi. On l'a vu dans le B-Main, terminé très loin. Avait de la difficulté à aller chercher de la vitesse lors des temps chronométrés. Mais hier, là, ça a été une performance dominante. Un peu comme on était habitué avec Driver Simulation, mais toute une course de la part de Félix Roy. Cédric Gauvreau, encore très rapide, a terminé au pied du podium. S'est fait surprendre à la toute fin par Moïse Pagé. Mais encore une fois, là, toute une finale de Félix Roy. Il faut parler également de la remontée là, d'Alexandre Salva. Avant les 10 derniers tours, là, on le voyait là, se pointer dans le top 10 et avait un peu de difficulté. Et là, a décidé, on y va le tout pour le tout. Vraiment, elle a surpris tout le monde. On le voit complètement à l'extérieur alors que tout le monde était sur la ligne intérieure. Ça lui a permis d'avancer. Il a été se placer deuxième. Très bon résultat pour celui qui n'a pas couru de l'année l'an dernier. Donc, c'est sûr que c'est très satisfaisant. On voit le premier carambolage de deux qu'il y a eu du côté des Sportsmen. Raphaël Goujon, il y avait Carl Letang également, Ariane Imbeau, Steven Lajoie et Christopher Cordeau. Et un peu plus tard, il y en a eu un autre impliquant, Alex Lajoie, donc on va parler tout à l'heure. Ouais. Mais malheureusement, ça va coûter cher pour certains pilotes en Sportsmen. On avait quand même beaucoup de dommages. Oui, alors belle victoire de Félix Roy qui va chercher un très, très beau podium devant Alexandre Salva et Moïse Pagé qui pilotait l'ancienne voiture de Claude Brouillard, le numéro 3, que vous venez de voir passer. C'est lui qui est venu terminer en troisième position. On parlait justement des accidents. Bon, il y en a eu quelques sérieux au cours de la soirée de samedi. On parlait tantôt de l'incident impliquant Mathieu Boisvert. Malheureusement, nous n'avons pas le vidéo de l'accident. On vous a montré des photos. Beaucoup de dommages pour le bolide de 73 JR. Alex Lajoie, très endommagé également. Et chez les Pro Stock, Bruno Richard et Pascal Payeur, eux aussi ont été victimes d'accidents sérieux. Oui, on a posté justement la vidéo sur notre Facebook. Vous pouvez aller le consulter. Dès le départ, accrochage entre Yves Hamel, Pascal Payeur et Danny Vaugel. Le résultat, c'est que Danny Vaugel perd le contrôle et va frapper solidement la voiture de Pascal Payeur qui, par la suite, va frapper le mur, lui, à l'extérieur de la cour numéro 1. On la voit, là. D'ailleurs, la course, on va peut-être voir la reprise un peu plus tard. Ça, c'est le premier départ où on a vu Serge Vallée échapper la voiture là, dans le premier tour. On a frôlé la catastrophe alors que personne n'a eu de dommages cette fois-là. Mais par la suite, vraiment, un accrochage sérieux qui a envoyé, on le voit là, qui a envoyé Pascal Payeur dans le mur. Ouf. Et ça a frappé très, très fort. Là. Un mur de ciment, là, ça frappe très fort. Et un peu plus tard, Bruno Richard, là, on le voit, la voiture numéro 72, qui avait gagné vendredi soir, a tenté d'améliorer son sort complètement à l'extérieur dans les courbes 3 et 4. Et ça a glissé. On a été frappé le mur. On l'a vu, il a pensé repartir, mais ça a pris la plateforme. Donc, on doit deviner là, que peut-être que le différentiel a été touché. Là.
Alors, victoire dans cette finale pour le vétéran Yves Hamel chez les Pro Stock. On en parlait tantôt d'Annick Sylvestre qui l'emporte chez les Sports Compact. Pour ce qui est, en guise de conclusion du premier segment, on vous invite tout le monde qui nous regarde via la page Facebook des gars de course. N'hésitez pas à commenter, d'y aller de vos commentaires. Nous, on peut justement les utiliser, vous les mettre à l'écran. Alors, salutations, vous êtes très, très nombreux. On a presque doublé les gens à l'écoute aujourd'hui. Je pense qu'il y avait beaucoup de curiosité à savoir comment on serait installé dans nos nouveaux studios. On est très, très excités de vous présenter ça ici ce soir. Et autre chose, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore fans de la page Facebook, c'est le temps de le faire. Là aussi, salutations à nos nouveaux fans des gars de course au cours de la fin de semaine. On a les résultats des différentes qualifications en cours présentement lors de l'épreuve de la Super Dirt Car Series. C'est à Weed Sport Speedway. Ce dimanche soir, c'est Peter Britton, Billy Decker, Max McLaughlin et Jimmy Phelps qui ont remporté les différentes qualifications du côté de Weed Sport Speedway. C'est le fun, on est live. Et en plus, il y a du NASCAR aussi, on vous tiendra au courant au cours de la journée. Pas de Friesen, pas de Shepard. Ben non, regardons ça. Parlant de Matt Shepard, on a les nouvelles un petit peu plus tard. On fait une pause, il est en attente dans la loge médiatique ici, là. Il y a plein de choses, là, les petits rafraîchissements, la maquilleuse, on a tout préparé ça pour David Hébert, le technicien de Saint-Damase, mais pour certains, le statisticien de Saint-Damase. Il est avec nous dans quelques instants. Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne, au 625A, boulevard Lemire à Drummondville ou sur internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. Festidrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silver Wax, Prolon Control et Choix Radio X. L'Autodrome Grande Bay, c'est la place pour vous divertir les vendredis soirs. De la vitesse et de l'action, mur à mur pour les amateurs de sensations fortes. En plus, c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Parfait pour une belle sortie en famille. L'Autodrome Grande Bay, c'est la piste sur terre battue la plus rapide du Canada. Venez vivre l'expérience sur place et vous pouvez même prendre le volant comme les pros. Contactez l'équipe de Driver Academy pour plus de détails. De retour à cette semaine aux courses édition spéciale du dimanche soir, on inaugure nos studios à Saint-Hyacinthe. C'est une présentation de Lucien Chevrolet. Lui, il porte les couleurs de Payet Chevrolet. C'est David Hébert, toute une fin de semaine. David, félicitations. Quelle performance hier soir, honnêtement. Wow! On a décrit des courses pas mal de ta part au cours des dernières années. Celle-là, elle était spéciale à mon lit. Ah, on avait eu un petit peu de difficulté au début de course. Je pensais pas d'arriver à ce résultat-là, mais... La voiture est venue pour la piste, puis à sa fin, on était rapide, c'était bien agréable. Et souvent, Grande Bay, piste collante, plus souvent qu'autrement. Là, hier, vous avez commencé les courses de bonne heure. On était déjà sur la piste à 16h45. Il faisait beau soleil, le vent, ça a séché ça rapidement. Et c'est impossible de bien beau arroser tant que tu voudras. Tu ne seras jamais capable de retrouver beaucoup de collants sur le circuit. Mais vous avez très bien composé avec ça. Tu sais, des fois, les pistes sèches, ça ne veut pas dire qu'on a une course de train. Au contraire, il y a eu des dépassements toute la course. Ben non, c'est ça. Ces courses-là, dans le fond, quand tu es avec, sèche avec plusieurs lignes, ça fait des belles batailles. C'est pas des voitures qui suivent en arrière de l'autre et qu'on roule vite, mais que ça ne se dépasse pas. Là, demain, ça a créé super de grosses batailles, des belles lignes de course. Ça allait partout sur la piste, jusque, mettons, les 20 derniers tours que le rubber est venu en bas. Mais je pense qu'avant ça, ça a été bon. Les courses de longue haleine, David, tu es toujours à l'aise. Je veux dire,
Ça existe pour vrai, là, le se mettre sur le cruise control, puis garder la mécanique, puis garder ça pour que dans les 25 derniers tours, que tu en soutires le maximum. Dans ton cas, hier, c'est un petit peu différent parce qu'au début de la course, ça ne fonctionnait pas du tout. Parle-nous un petit peu des troubles que tu as eus en début d'épreuve et ce qui t'a permis d'avancer aussi vite par la suite. Ouais, quand on a parti, la voiture avait poussé beaucoup du nez. Puis là, plus ça allait, pire c'était. On avait une petite crevaison lente à gauche. Et puis, je me demandais, c'est vrai que là, j'ai décidé de rentrer au puits. À un moment donné, j'ai vu que j'avais vraiment un problème. Et puis, on aurait juste été changer le pneu, puis vu qu'on était là, de mettre un petit peu plus de stagger pour essayer d'améliorer. Ça n'a comme pas rien changé sur le coup. L'ajustement qu'on avait fait était peut-être un petit peu trop exagéré pour justement la piste. Mais pour la fin, justement, quand M. Boisvert virait sur le top, qu'il y a eu le rouge, moi, ma transition ne voulait pas débrayer. Fait que là, je ne pouvais plus rentrer au puits sur le jaune pour aller faire d'autres modifications. Fait que j'ai dû pogner avec la voiture pour le restant de la soirée. Fait que là, on a partout sur la piste où on pouvait aller, que ça marchait, on est venu à bout de remonter. Puis quand le petit Robert est venu en bas, moi, je pense que ma voiture, elle l'a pogné un petit peu plus vite que les autres. C'est ça qui a aidé. Et puis, on est venu à bout de faire une super belle remontée. Presque faire Steve, là, quand il était retardé par Paul. Mais juste de bon augure. Je pense qu'on a eu une bonne fin de semaine. Tu te parlais justement de l'addition de Robert sur le circuit. Dans ta tête, est-ce que tu en avais assez? Si ça avait duré 100 tours, en avais-tu assez pour aller chercher Steve? Ou... Bien, j'étais plus rapide que Steve, mais il y avait juste la ligne d'en bas. J'ai essayé un petit peu au dernier tour, mais je pense qu'il y aurait eu 100 tours puis que le rubber aurait pu, mettons, se tasser un petit peu, se rélarger. Peut-être qu'il aurait pu tenter quelque chose, mais non, ça a arrêté dur. Là. Je pense aussi qu'il fallait économiser un petit peu le pneu parce qu'on savait pas. Grimby est rare quand il vient sur le rubber. Ouais. Fait que là, tu sais, les pneus, ils étaient beaucoup. Fait que j'essayais de ménager en même temps. J'ai essayé au dernier tour, mais ça sera de repartir un autre jour. On va l'avoir. On va revenir sur le programme de vendredi aussi, parce que là, on t'a trouvé un nouveau surnom. Je ne nommerai pas ça vient de qui, mais c'est quelqu'un de très, très connu aux courses qui m'a envoyé une nouvelle suggestion de surnom. Je te surnomme le technicien de Saint-Damas depuis des années, mais là, le statisticien de Saint-Damas est en lien avec tes propos après la course. Est-ce qu'on a l'entrevue d'après-course du programme de vendredi? Faudrait l'écouter ça. Les propos de David, ça va nous mettre en contexte pour la prochaine question. On s'en va écouter ça. Est-ce qu'ils l'ont? L'ont-tu? Il cherche. OK. Rejoindre David Hébert. Oh. David Hébert, ce soir, t'as parti. Souvent, t'es pas chanceux dans les positions de départ. Là, tu partais outside pole. Tu t'en allais pour la gloire. Puis là, ben finalement, Steve est apparu au côté de toi. Oui, moi, la voiture s'est désagrégée un petit peu dans les 10-12 derniers tours. Puis quand j'ai vu Steve arriver, je forçais, je suis fait, mais non, c'est pas grave. Là. On a vraiment sorti la voiture One payé Chevrolet. Bien content, on va travailler fort. On va juste souhaiter que Dominique mette ses clottes un petit peu pour les W16, remettre un petit peu de poids. Je pense qu'à 82% de victoire depuis 2 ans, on va y faire le message. Il voulait pas nous écouter, mais je pense que là, il est temps qu'il fasse quoi. Bon, ben écoute, David, j'espère que le message est entendu. Ce soir, un podium pour l'équipe Payet. Ton ami Mario a super bien fait aussi, fait que c'est une victoire d'équipe en même temps. Ben ouais, je suis bien content. Avec Mario, ça travaille bien. Je reviens avec la voiture One Extend pour des bons vieux souvenirs. Puis je pense que ça va y porter chance. Vous allez avoir une bonne saison. Et merci au nombre de spectateurs qui est ici. On a bien hâte de vous voir tout en grand nombre pour que ça crie plus fort encore. Ben, félicitations, David. Je te souhaite la meilleure des chances demain pour l'épreuve de 75 tours. Ben, merci. On va être là. David Hébert qui prend la deuxième position chez les modifiés. De retour avec David. C'était plus fort que toi. W16, ça te dérange depuis l'année passée. Là, tu as la chance de t'exprimer, David. Je trouve la question comme celle-là. Le W16 te dérange, ça dérange ton équipe. Tu préfères utiliser le 358, surtout à Granby. Depuis l'an passé, c'est le moteur qui te permet d'être le plus à l'aise. Mais clairement, les Bernier, ils ont trouvé quelque chose de particulier avec le W16. François l'a adopté depuis l'année passée. Il a de très bons succès. Il a gagné le championnat. Steve, on le sait, il a été très performant en 2018-2019. Qu'en est-il? Où t'en es dans ta tête après là, quelques heures de plus à y réfléchir? Bien, j'ai rien contre les W16. J'en ai encore un. L'histoire des W16, moi, dans mon cas, j'ai tout le temps été un petit peu contre ça. Et puis, mais quand on les a adoptés, dans le fond, quand on a décidé de mettre le règlement dans tout le soir des W16, avec Serge, avec tout le monde, j'ai été un des premiers à dire qu'il faut baisser le poids, c'est pas compétitif.
Mais je pense qu'aujourd'hui, les moteurs, le moteur comme tel, c'est pas réellement amélioré. Je pense que c'est encore les mêmes forces, les mêmes choses. Mais veut, veut pas, l'ensemble du monde, des équipes, ont fait que les voitures sont un petit peu plus rapides avec le W16 dans des circonstances de piste. Mais je pense que, comme je disais, la moyenne, parce que c'est pas moi qui l'ai calculé, je suis pas mathématicien, mais si on regule depuis, mettons, même la dernière année en 2019 que j'ai gagné avec le W16, et puis on voit en 2020 que François Marché et Mathieu Desjardins ont gagné à Grimbay, et puis on commence cette année la façon que c'est. Moi, dans le fond, le but de mon de ce que j'ai dit pour Dominique, c'est que tout l'hiver, depuis le meeting, on voulait parler à Dominique, mais c'est comme si on sentait que la porte était fermée. Parce qu'une couple de gars de 358, d'équipe, dans le fond, qu'on est comme dit, faut que là, il se passe un petit peu quelque chose. Parce que, tu sais, moi, je pense qu'à Grimbay, le moteur est un petit peu avantagé. Mais, tu sais, encore là, je vais passer pour le chialeux, là, tout ça. Mais, je suis pas le seul à le penser, sauf que là, je l'ai dit à voix haute. Je n'étais pas supposé le dire en fin de semaine. Je l'ai dit à voix haute, justement, pour que ça se passe, pour qu'on passe la saison à s'astiner, puis à faire de la chicane, tout ça. Fait que, tu sais, au moins, si ça se règle tout de suite, ça va être réglé. Tu sais, je ne dis pas d'enlever, de remettre ça à 50 livres comme dans Dirt, là. Mais, tu sais, c'est juste de dire, quand on a installé ça, on va vérifier ça pendant un an, deux ans, puis après ça, on va s'ajuster. Moi, je pense qu'on est rendu à s'ajuster. OK, parfait. Ça, c'est après vendredi soir. Vendredi, tu t'es fait dépasser sur le vert par Steve Bernier, mais hier soir, tu en as dépassé pas mal plus que tu t'es fait dépasser dans le programme de samedi. Conditions de piste très différentes, on s'entend. Mais t'es premier au championnat pareil avec ton 353. Oui, ça me stresse pas. Je vais en gagner des courses. Qu'il laisse le pot comme ça au pays, je vais en gagner pareil des courses. J'ai rien contre. C'est juste, comme je dis, c'est, on est, je suis pas le seul à parler. Je suis pas le seul à penser la même histoire. Il y en a qui ont des W16, des 358. Présentement, ils ont un 3W16 dans son auto. Puis il sait pas quel qu'il va le mettre parce qu'il sait que le W16 est avantageux à Grimbay. Mais ailleurs, le 358, je pense qu'il est meilleur. Fait que, tu sais, je suis pas le seul à penser ça. Tu sais, oui, c'est plate parce que c'est W16. Il y a quelques équipes qui ont juste ça présentement. Ouais. Mais je pense que quand c'était inauguré initialement, le prix que le W16 coûtait versus le 358, c'était avantageux. Puis j'étais un des premiers à vouloir y aller avec ça pour l'économie. C'était ma prochaine question. Tu parlais que tu n'es pas un mathématicien. Je suis très loin d'en être un, moi aussi. On en est où dans le prix payé maintenant, rendu en 2021, depuis l'inauguration du W16 il y a quelques années, lorsqu'on a amené ça au Québec? Est-ce que ça a vraiment augmenté au niveau du prix pour acheter un moteur flambant neuf? Je vais te le dire, je ne sais pas pendant tout les chiffres exacts. Il faudrait que je demande à Serge. On pourrait le texter, il me le dirait bien juste. Là, mais je suis sûr que ça doit remonter, je pense, c'est 4-5 000, là, je pense qu'il disait. Là. Mais c'est pas juste le fait de c'est pas le fait du moteur. Le moteur, oui, c'est moins cher qu'un 358, mais c'est tout ce qui va alentour pour la voiture. Les voitures, là, comme moi, dans mon cas, je suis un gars pesant. Si je veux faire marcher dans mon W16, mais sur mon char, ça va coûter 4 à 5 000 de plus. Mes 358 que j'avais hier soir, il en coûte 30 000 canadiens. L'avantage, il n'y en a pas. L'avantage de mon 358, au bout de 1500 laps, je l'enlève. Mon gars est à 2 heures de chez nous. Je vais y mener, puis au bout de 2-3 semaines, je vais le rechercher. Mon W16, si je le casse aujourd'hui, je vais l'avoir juste pour l'année prochaine. À moins d'en acheter un autre. Fait qu'elle est où l'économie? T'sais, c'est pas un débat de ça que je veux partir. Je moi, c'était plus le côté compétitif. Mais moi, le côté d'analyse de course, de commentateur de course, moi, comment est-ce que je voyais ça au début lorsqu'on a instauré le W16? C'était de permettre à des Martin Pelletier de monter à modifier. À ce moment-là, Martin dominait, entre autres, je prends lui comme exemple, il y en a d'autres, mais tu sais, dominant sportsman, puis ça prenait une option peut-être plus abordable pour monter et être un semblant compétitif. Pour moi, je le voyais de même. Mais finalement, les équipes à plus gros budget, avec des pilotes d'expérience, l'ont tous adapté. Ça, c'est pour moi quelque chose qui me titille un peu. Je suis forcé d'admettre qu'il est compétitif certain parce que tout le monde l'a adopté et ils ont gagné avec. Alors qu'au départ, moi, je pensais que ça servirait davantage les équipes à petit budget pour suivre le rythme en modifié ou monter dans la grosse lance. Bien, c'est justement ça. T'sais, on était la première à l'acheter justement à cause de ça, de Saint-Marcel, parce que la différence du poids était avantagée. Puis j'ai pris mon 358 puis j'ai pris mon W16. J'ai beaucoup plus gagné que mon W16 à Saint-Marcel. Grimbay, dans mon style de conduite, j'aime mieux mon 358. Mais le W16, oui, il est compétitif à cause du poids. Mais au début tout, à 50 livres, il en manquait du poids. Ça, je l'avoue, puis je suis le premier à dire que... Mais je pense que là, peut-être justement,
parle pas de ramener ça comme pas sans livre, landeur, pas sans livre. Je sais que, mettons, le base de 25 livres, les Bernier vont aller aussi vite. T'sais, Steve François, il travaille. J'aime me battre avec eux autres en plus parce que ça l'élève le cran de compétition. T'sais, Steve, c'est un gars qui cherche tout ça. Je suis bien content. Moi, j'ai toujours dit on apprend avec les plus forts. J'ai appris, moi, quand je suis monté en gros bloc avec les peintres, tout ça. T'sais, on apprend de ce monde-là. Mais plus la compétition est forte, mieux que c'est. Tu parlais des Bernier tantôt. On a une séquence. Capté sur le vif dans les puits avec les Bernier vendredi soir. Qu'on me sorte la séquence en question. Ils avaient promis les Bernier qu'ils amèneraient une nouvelle innovation au cours. Regardez ça, là. On tourne auprès de la voiture de Steve Bernier. Et là, clairement, il se passe quelque chose près du pneu arrière droite parce que François va cacher pour ne pas qu'on puisse capter les images. Est-ce que ça vous dérange, ça, quand on fait de la cachotterie un petit peu aux courses? Les toiles en arrière des voitures. Les Bernier font ça pas mal. Non, ça ne me dérange pas en tout. Ça fait plus de... C'est plus pour faire parler le monde en grosse partie du temps, je suis pas mal sûr. Là. Et puis, tu sais, oui, il peut essayer des nouvelles suspensions. J'ai rien contre ça. Plus qu'il essaye des nouvelles affaires, c'est sûr qu'il va se mêler des soirs. Ça nous aide dans notre cas. C'est sûr et certain. Mais non, nous, ça reste pas mal dans le standard à Bicknell, dans nos. Oui, des petites modifications à nous autres. Mais de même, ben, tu sais, on peut risquer moins de se tromper. Steve est innovateur. Il fait des. Je pense qu'il prépare de super de bonnes voitures. T'sais, on le voit depuis les années qu'il court avec François et tout ça. Puis, comme je dis, ça l'élève le cran de compétition. Puis, je pense que c'est juste bon pour les autodromes, les spectateurs, puis tout ça. Là. Les bagarres sont bonnes, ça, pas de doute. C'est le fun, des belles rivalités comme ça. Il y a du respect en piste. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Faut que je te parle de ta famille, David, parce que là, Daphné fait ses débuts en sportsman. Pas sportsman, mais en slingshot. Mais le sportsman, d'après moi, il n'est pas tellement loin. On est en où présentement au niveau familial pour aller aux courses? Ah, merci ma blonde. Merci. Ah, ben là, c'est sûr que ça faisait une couple d'années qu'elle m'achalait un petit peu. Puis là, tu sais, un sportsman, ça me tentait pour commencer parce que, tu sais, oui, le slingshot coûte pas cher à faire rouler, mais c'est quand même dispendieux. Toutes les pièces qu'après ça, tu sais, juste un moteur de slingshot qui coûte 3 008 US versus un moteur de sportsman qui va en coûter 7 000 canadiens. Fait que, tu sais, il n'y a plus une si grosse différence. Ouais. Et puis, mais tu sais, aller rouler aux courses le soir, ça coûte rien, là. Et puis, non, il faut qu'elle prenne l'expérience à faire des tours. Je pense que c'est une belle petite classe pour aller apprendre puis la faire monter en sportsman si ça a le potentiel d'y aller. Comment ça s'est passé pour elle en fin de semaine? Ça a bien été. C'est un petit peu moi qui s'est trompé sur son ajustement d'auto avant la finale parce que c'est compliqué des fois, là, courir au trailer puis tout ça, puis arranger ça. J'avais pas été voir la piste, mais elle va apprendre à avoir l'expérience. Puis, donc, une auto qui pousse, une auto qui est lousse. Puis, pour la première course, ça a bien été. C'est la partie 3, fini 4, après ça va être fait spinner. Puis, je pense qu'elle est bien smooth, un peu sur le gaz. Ça devrait être correct. Comme son père. Le petit miraculé, lui, Nathan, comment va-t-il au niveau de la santé? Bon, ça semble aller super bien, tellement content. Puis lui aussi, à un moment donné, va chauffer un sort de course, certain. Sûrement, en tout cas. Je pense qu'il veut. Nathan va super bien. Tout a super bien évolué dans sa classe. Et un des meilleurs de sa classe. Physiquement, pas grand-chose. Tout est normal, là. Tout le développement est bien normal et puis on est bien content de ça. Pour les courses, c'est sûr qu'il va être annonceur comme toi ou il va être coureur. Ben mais, oui, tu m'expliques ça hier, c'est donc bien fou ça. C'est sûr qu'il nous écoute et qu'il va tout te faire la description de notre émission après. Mais, salut Nathan! toutes les courses, il est décrit puis c'est un peu comme toi puis c'est bien drôle. Excellent! Alors, ça prend de la relève, on n'aura pas le choix à un moment donné, il ne ferait pas ça toute ma vie, c'est sûr. C'est ça. Ça va prendre la relève, c'est clair. Avant de terminer, David, c'était le retour de la fameuse voiture 1X10 en fin de semaine avec Mario Tlaire à bord. Très, très content de revoir une voiture qui a tellement marqué l'imaginaire dans les années 90 avec Steve Payne à bord du véhicule. T'es dans l'équipe du 1 depuis longtemps. Est-ce que là, il y avait vraiment au sein de l'équipe là, la volonté de ramener le 1X10? J'imagine que ça fait partie de la discussion depuis longtemps. Bien, ça s'est fait un petit peu en arrière avec Alexandre Vaugel, puis Payet. Puis à un moment donné, je pense que l'équipe, ça fait longtemps qu'elle existe. Pour remercier des commanditaires qui ont été là longtemps. Puis, dans le fond, Mario, le X10 qui est dessus, c'est un commanditaire qui va changer plusieurs fois dans l'année. Ça va être un nouveau commanditaire.
c'est des commanditaires qu'on, tu peux comme qu'ils font en NASCAR, mettons, on va le changer. Mais comme sur le toit, la voiture va rester là toute la saison. Puis c'était pour faire un hommage aussi, dans le fond, à Xtend, puis de ramener la voiture numéro un sur la piste. Excellent. Bien, très, très content. Et c'est super beau. Regardez-moi ça, là, la photo. Là, c'est professionnel. Ah, on a une belle gang. On n'a rien à dire. Merci à Payet Chevrolet qui nous supporte, qui est là depuis longtemps. Puis Jean-Claude est une personne très, très... je peux pas dire mieux que ça. Là. Ah ouais. C'est très bon commanditaire. Hey, moi, là, ça fait vraiment professionnel. Moi, je suis fier de montrer ça aux gens qui... de par mon travail dans les médias qui ne connaissent pas du tout c'est quoi la terre battue, bien, vous avez un bel exemple. Puis le jour où vous allez me dire c'est pas de l'événementiel qu'on fait, là, du spectacle, là, bien, je m'excuse, mais c'était tout un spectacle qu'on avait en fin de semaine. Puis tu es un acteur de premier plan là-dedans, David Hébert. Merci d'être passé nous voir dans nos studios. On va se reparler, c'est sûr et certain. On va souhaiter que la santé publique aille aimer ça, puis qu'ils veulent revenir aux courses, puis qu'ils nous donnent l'autorisation de courser vendredi. Oui, monsieur. On va le souhaiter au plus grand. À Dominique, puis à Yann, autant que les autres pistes, et puis on va souhaiter d'être là. David, merci. Il est merci. Le meneur au championnat à l'Autodrome Granby. Deux fois deuxième en fin de semaine dans les épreuves de 40 et de 75 tours. À l'Autodrome Granby. Pendant l'Autodrome Granby, le promoteur, le propriétaire, le grand Manitou, il porte plusieurs chapeaux. Dominique Lucie s'en vient avec nous au retour. On est de retour dans cette semaine aux courses. Dominique Lucie qui est en ma compagnie. Les yeux petits, Doum. Ouais, les yeux petits. T'as pas de tannant aujourd'hui. J'ai pas eu des gros projets. Mélanie, t'as même accompagnée au garage. T'as regardé la voiture de ton fils derrière nous, justement. Des troubles mécaniques pour Donovan. Puis bon, une soirée de course, deux soirées en fait qu'on n'attendait pas. Il y a quelques jours à peine... vous vous êtes retourné de bord sur un 10 cents, c'est ouais. Le cas de le dire. Félicitations d'abord parce qu'on a été choyés d'avoir des courses là, dans les mesures actuelles. Oui, ça a été une semaine, ça a été une longue semaine en réalité. Ça a surtout été dur pour les nerfs parce que d'une journée à l'autre, les nouvelles n'étaient pas tout le temps cohérentes. Puis on parle beaucoup, moi, Yann, puis Junior à Vallée. Puis l'input qu'on avait n'était pas tout le temps le même. Vous le savez, l'estrade n'était pas prête en plus. Nous autres, on s'attendait de partir aux courses pour la fin du mois de juin. Fait que je n'avais pas engagé de surnuméraire pour faire ça. Puis ça, additionné à la logistique de tout ce qu'ils nous ont demandé, plus le programme de course normal, plus la vente de billets en ligne, etc. Ça a été une grosse semaine stressante, surtout vendredi. Vendredi, là, j'étais vraiment... Là, c'est du stress. Je n'ai pas ça souvent. Je suis souvent... je viens concentré, je viens dans ma bulle, mais je ne suis pas stressé. Vendredi, je l'étais. J'avais vraiment comme
J'anticipais pas tout positivement. J'essayais de voir qu'est-ce qui était pour arriver, comment les gens étaient pour réagir, autant dans les puits que dans l'estrade. La santé publique, je savais qu'il arrivait. J'avais eu des bonnes discussions avec les personnes à santé publique, mais ils étaient quand même là pour vérifier, voir si on était capable de maintenir les normes. Ça a été tough, comme tu disais, en plus de Donovan qui a eu des problèmes mécaniques. Les gars sont venus passer une partie de la nuit ici, puis tout ça. Dur week-end, j'étais content. Ça l'a bien été au travers de tout ça. On a eu des bonnes courses, beaucoup d'autos. Mon beau-père m'a demandé, as-tu du monde? Ben, le monde, on le savait, c'était 750. C'est ça. Tu vois le verre à moitié plein, il y en a eu 1500 dans la fin de semaine. C'est ça. Fait que c'était correct. La saison est partie. Tant mieux. Ça s'est bien passé. Du monde heureux. Moi, ça, c'est ce qui me... Oui, de la bonne compétition en piste, des bonnes courses. Mais moi, ce qui m'a épaté, c'est de voir du monde de bonne humeur. Une année et demie de merde, là, permettez-moi l'expression. Ouais. Là. On voit plus personne, on s'ennuie de nos chums, on s'ennuie de nos courses, on est déçus de la manière que ça évolue, puis on a hâte que ça avance plus vite. Mais là, de voir du monde de bonne humeur, moi, ça m'a fait du bien. Je sais pas pour toi, là, mais dans mon cas, c'était le cas. Non, c'est la même chose. Puis les gens ils ont été reconnaissants. Je pense qu'on a. Puis ça se fait pas tout seul. T'sais, tu le sens, Anthony, vous avez, au niveau animation, je t'ai donné un peu le relais en disant, hey, j'ai comme pas le temps de m'occuper de ça puis de me casser la tête. Je voulais vraiment me focusser, être capable de m'organiser à passer au travers de la soirée avec la santé publique puis les polices. Fait que, tu sais, on a une bonne équipe, ça m'a permis de souffler un petit peu puis de me concentrer aux choses qui vont peut-être nous permettre de continuer à aller aux courses. J'ai une autre grosse semaine en avant de moi, tu sais, il y a de l'incertitude encore beaucoup. Ouais. Tu sais, j'ai appris dans la soirée d'hier là, que jusqu'à tard vendredi, là, il y avait encore beaucoup de discussions par rapport au projet pilote qu'on a eu la chance de faire à Granby. Fait que va falloir continuer à vendre nos idées cette semaine pour si on veut aller aux courses vendredi et les semaines subséquentes. Bon, ça, là, tu m'ouvres la boîte de Pandore. Tout le monde veut savoir, Dominique, comment ça s'est passé pour toi en fin de semaine? Parce que moi, je te voyais très bien là, dans la tour d'en haut. Ça avait l'air de la grande séduction à l'époque à Radio-Canada. Tu te promenais avec les jeunes de la santé publique, escorté par à peu près 10 policiers autour. J'exagère à peine. C'était intimidant. Mais c'est ça. Tu voulais vraiment prouver aux gens, sans faire de cachette, à quel point on est un événement. C'est vraiment ça. Il est là, le problème, actuellement. Oui, le plus gros du problème, il est là. C'est qu'on n'est pas classé comme événementiel. Puis ça, c'était la première chose à démontrer. La deuxième chose, c'était de démontrer qu'on était capable de respecter la longue liste de normes qu'ils nous avaient mis, qui a évolué dans la semaine. Fait que oui, c'était la grande séduction pour ça. C'était quand même particulier. On a eu Sarah qui est venue le vendredi, puis Anne-Marie le samedi, les deux des trois filles avec qui j'avais parlé dans la semaine. Puis l'objectif, c'était d'être transparent. On les a installées dans les loges en haut, puis c'était un choix. J'aurais pu essayer de les mettre dans la première rangée des sièges en bas, puis qu'ils ne voient pas trop ce qui se passe. Puis je me suis dit, hey, je pense que ce qu'on a fait est correct. Je pense que tout le monde va aller aux courses. Puis pour vrai, j'étais content. Puis je remercie vraiment le monde, t'sais, autant dans les puits. Ouais. Quand on s'est promené, puis comme justement, tu vois la police arriver, j'étais là, j'avais Sarah ou Anne-Marie. Puis tu sais, j'ai pas vu de monde en courant essayer de mettre les masques. Ça a bien été, ça a roulé rondement. Puis les filles me l'ont dit, on l'apprécie d'avoir été installé haut, puis d'avoir tout vu, d'avoir vécu l'expérience de chaque zone. Je les ai vraiment fait au travers de tout ça. Ça a bien été, c'est de bon augure pour le futur. En tout cas, le bout qu'on contrôle, je crois qu'on l'a bien fait ensemble. C'est à ça Steve Morin là, qui nous demande de saluer le travail de Charles-Olivier Lampron, ton bras droit, qui lui aussi n'a pas dû dormir beaucoup cette semaine. Voyez mon Charlot, là, ça courait partout sur le circuit pour s'assurer que tout fonctionne, parce que c'est pas plusieurs chapeaux habituellement en temps normal, mais là, il y avait des gens à s'occuper de près. Bien, Charlot, tu sais, plusieurs le savent, plusieurs le savent pas, mais c'est vraiment, tu sais, ça fait déjà plusieurs années qu'il travaille avec nous autres. Si je recule au début, c'était la 80-20. En réalité, je faisais 80 % de l'ouvrage. Charlot m'accompagnait là-dedans.
Aujourd'hui, c'est l'inverse. T'sais, Charlot, je vais lui donner les guides. Puis là, il est rendu à me challenger dans des idées puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est un gros rôle d'assistant promoteur qu'il a, là. Tu sais, c'est son travail à temps plein. On se parle à tous les jours. C'est son bureau, il est à concession. Ouais. Mais, tu sais, quand on vous dit la logistique, les billets, les restos, tu sais, c'est une grosse, grosse partie de OK, on a planché à table à dessin ensemble, mais après ça, c'est tout lui qui a mis ça en place, là. Fait ouais. que, méchant job. Il était fatigué, lui aussi. Samedi, j'étais d'un puits quand les courses ont fini, puis j'ai dit hey, « je m'en viens, ça sera pas long ». Il dit « moi, je m'en vais, ça sera pas long ». Il était tanné. Fait qu'on va finir de toute la comptabilité d'événements lundi en concession. Mais oui, merci Charlot, super job. C'est bien le fun de travailler avec. T'es encore dans le néant, Dominique, encore aujourd'hui. Je sais que c'est deux représentantes différentes qui sont venues vendredi et samedi nous rencontrer. Ils ont fait le tour de la bâtisse, venus nous voir en haut, fait le tour des puits. Quels ont été leurs constats et à quoi tu t'attends dans un court avenir, là, en vue de la semaine prochaine? Ça revient vite pareil. Ouais, je leur ai demandé aux deux, autant vendredi que samedi. Je pense que leur recommandation va être très favorable. Il n'y a pas rien eu qui m'ont noté de dire hey, « ça, Dominique, ça n'a pas d'allure okay. ». Tu sais, il y a eu des situations, les accidents, l'accident de modifié qui était dans la ligne droite. Et maintenant, on a vu un paquet de monde arriver puis monter sur les murs. Je t'ai demandé à Tony, j'ai dit « hey, tu sais, on va… » Réaction faire... normale, mais… Ouais, c'est ça. Puis finalement, quand on en a parlé, ben les gens qui avaient moins à faire à être aux premières loges de tout ça, ben finalement, ils sont partis. Puis la fille, elle dit « hey, tu sais, pour vrai, le monde collabore vraiment bien ». Fait que je pense que les recommandations vont être vraiment positives. Maintenant, ce n'était pas eux qui décidaient. Eux ont vendu l'idée au gouvernement de faire un projet pilote. Ils sont venus valider qu'on était de l'événementiel. D'ailleurs, samedi, c'était une des raisons aussi de mettre tout en place, une présentation de pilote puis tout ça. Tu sais, puis c'est hors de tout doute pour les deux personnes qui sont venues. Oui, on fait de l'événementiel. Après ça, on a respecté les normes. Je pense que là, il y a un petit peu de bisbille entre les régions. Parce que là-dedans, tu sais, je comprends, chaque piste de course de chaque région a mis son lot de pression à leur secteur puis dit « Hey, comment ça se fait qu'il y a un projet pilote à Grimby? » Tout le monde veut partir, tout le monde veut aller aux courses. On essaie de partir à notre bon temps. On n'essaie pas de devancer le temps parce qu'on est vraiment de l'événementiel. Maintenant, comment ça va se démêler cette semaine? Tu sais, il y a eu de la pression. J'ai même eu un message dans la soirée de samedi de la personne de la santé publique de Chaudière-Appalaches. Puis tout ça, j'ai pas eu le temps de lui répondre. Je vais sûrement prendre deux minutes pour le rappeler demain. Ça n'a pas fait partie de mes priorités aujourd'hui. J'étais très fatigué. Puis de toute façon, on était dimanche. Mais je ne suis pas 100% confiant. Je suis quand même nerveux. Je vais me donner demain jusqu'à la fin de la journée pour voir un petit peu. Tu sais, je vais prendre le constat de la situation s'il n'est pas venu à moi à la fin de la journée. La balle est dans leur camp. Puis mardi, il va falloir que je prenne une décision de qu'est-ce que je fais avec mon vendredi. J'aimerais ça faire des courses. Il y a peut-être des choses à revoir dans notre format parce que tu sais, c'est difficile au niveau de la rentabilité d'avoir remis des vraies grosses bourses, d'avoir baissé les prix d'entrée. Puis d'être limité dans tout ça, dans le nombre de monde. Mais tu sais, je vais me casser la tête à trouver une façon de retourner aux courses si je peux vendredi, ça c'est sûr. Mais en tout cas, si tu as au moins une sécurité, c'est que les pilotes ont répondu à grand nombre. Ça, on peut pas se plaindre. Puis moi, je veux vraiment là, le saluer puis profiter de ta présence pour dire chapeau à toutes ces équipes-là qui se sont présentées, prêtes à performer, à s'amuser, venir aux courses. Moi, comme voir 40 sportsmen, je trouve ça extraordinaire. Les modifiés 29 hier, je sais qu'il y en a plusieurs qui se sont préparés à la dernière minute parce que, évidemment, écoute, une voiture de course, ça se prépare pas en deux heures. Là. Non, exact. Ouais. Mais ça, j'étais content. C'est sûr qu'on avait, plusieurs équipes qui nous avaient demandé « allez-vous partir du championnat-là? » Oui, on avait besoin de partir du championnat pour s'assurer d'un maximum d'auto. Tabarouette, 40 sportsmen, on n'a pas, en tout cas, de ma mémoire, je ne sais pas si on avait déjà eu ça. En tout cas, ce n'est pas un record, c'est très proche de l'être. On a eu des bonnes courses dans toutes les classes, ça a été le fun. Je pense que le monde a aimé le concept d'une fin de semaine aussi. Ça a été discuté l'année passée à plusieurs reprises. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Moi aussi, j'ai vraiment aimé ça. Notre prochain week-end double, puis là, il n'y a pas de façon pour nous autres de mettre Saint-Marcel en opération avec les contraintes qui nous demandent actuellement. Fait que notre prochain week-end double est le 25 juin, dans le fond, qu'on aura un samedi à Saint-Marcel. On va sonder le monde. Je pense que ça a été le fun. Il va sûrement faire plus chaud en plus. Fait que c'est ça. Fait que, c'est une autre semaine, comme je dis, stressante. Puis ça ne se planifie pas d'une journée, un programme de course. Ça se peut que mardi, j'annonce que
on va tenter de faire des courses avec une petite parenthèse d'incertitude, parce que si la santé publique nous reviendrait avec un go plus officiel plus tard, ben tu sais, on a trop de choses à mettre en marche avec le petit peu de temps, surtout avec la billetterie en ligne, puis tout ça, ouais, c'est plus compliqué. Ouais. Fait que ça, c'est ça. On va être anxieux à début de semaine. Est-ce que c'est possible? Est-ce que l'option est considérée de revenir à la formule de début de saison l'an passé jusqu'au 25 juin? De présenter des courses à 8 lots sans spectateurs. Est-ce que c'est quelque chose qui a fait partie des discussions, ça? Oui, bien, c'est sûr, comme je dis, j'ai été content de faire des courses, on les a faites, on a eu des bonnes courses, puis tout ça, mais le plan d'affaires au niveau économique, financier, ne tient pas tant la route. Je ne serais pas capable de faire ça 3-4 semaines de temps. Va falloir que je revoie, puis tu sais, je suis pas un gars qui baisse les bras facilement. Fait que là, c'est plus de dire, OK, on. Tu sais, puis là, tout le côté des. Au niveau visibilité, commanditaire, etc., c'est plus difficile. Il va falloir aussi que je réévalue tout ça. Mais oui, ça pourrait arriver. Je regarde aussi la possibilité de dire, bon, est-ce qu'on est capable de rentrer une quatrième zone et est-ce qu'on est capable de la vendre? Ouais. Parce que les zones, c'est pas, on a entendu le gouvernement dire 2500 personnes. Mais là, ça prend une toilette, puis un resto, puis une entrée, puis une sortie, tout distinct, puis des gardiens. Puis là, c'est pas facile. Tu sais, on était capable de faire 3. Est-ce qu'on est capable de faire 4? Probablement, si l'estrade est complétée, peut-être de se rendre à 4. Fait que, tu sais, j'ai plusieurs scénarios, mais ça va être à partir de demain qu'on va se gratter la tête avec ça. Dominique, ben merci beaucoup. On va continuer de se tenir au courant cette semaine. Suivez les gars de course.com, notre page Facebook, tout ça, pour tous les détails concernant la suite des choses. Merci, nous avons permis d'aller aux courses, parce que si t'es pas là, on va pas aux courses. Ouais, au moins, la saison est partie, c'est bien fun. Merci à vous autres de vous être impliqués. On a eu une belle fin de semaine avec votre aide, les réseaux sociaux, tout ça. Je pense que ça a été super dynamique. Les gens qui pouvaient pas venir ont eu de l'info. Fait qu'on va continuer à travailler, à s'améliorer ensemble. Comment tu trouves nos studios? Ah, je les trouve pas mal bien organisés, vos studios. Pas gênant? Non, absolument. C'est le fun. C'est un projet qu'on avait parlé. Puis avec le confinement, puis ça, c'était plus difficile d'installer tout ça. C'était une belle première soirée. Je trouve ça le fun. On va continuer à faire notre ménage dans l'atelier à cette heure qu'on sait que la caméra filme là. On va venir beau partout. C'est bon. Mais en tout cas, il y en a pas mal de fêtes pour avoir vu ça au début des travaux. Hein, on est ailleurs, pas à peu près. Ouais. Merci, Doom. Bonne semaine. On se tient au courant. Bonne semaine. Dominique Lucier, de l'Autodrome Grand Bay, du RPM Speedway. On fait une pause. Et au retour, Alex Lajoie vient nous rendre visite. Il est le grand Manitou de Driver Performance. Il vient nous parler de tout ça et de son week-end de course à son tour. Vestidrac Développement, une entreprise 100% québécoise, contribue à développer des pilotes de course d'ici, partout en Amérique du Nord. Vestidrac Développement tient à remercier ses précieux partenaires. Silverwax, Rousseau Métal, Richard et compagnie, Volon Control, VP Racing Fuel et DL Performance, Globocam, Groupe Brière International, le Grand Prix de Trois-Rivières, Dumoulin Compétition, Permatex, Vestidrac.tv, Hypertech, Choix Radio X et 91.9 Sport. L'Autodrome Drummond fête ses 70 ans et se réinvente. No classe locale, modifié Sportsman Pro Stock Lightning Sprint Mud Light Slingshot Junior et Senior ainsi que STR seront à l'affiche. Viendra s'ajouter la Super TT National Série, mettant en vedette VTT, SXS et Autocross. Également la série NAFT, North American Flat Track. La visite de la série Empire Super Sprint à deux reprises. La série Dirt Car Gros Bloc. Le Race Mania 17. Et l'événement de l'année à l'Autodrome Drummond, le Québec Dirt Weekend. Deux soirs de course, dont une bourse de 12 000 $ aux gagnants le samedi soir pour une course de 170 tours en modifié. Veuillez noter que la situation concernant la COVID-19 pourrait avoir un impact sur les soirées courses de l'Autodrome Drummond en 2021. Advenant le cas, tous les détails vous seront dévoilés dans les plus brefs délais. L'Autodrome Drummond, la F1 de la Terre battue. Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne, au 625A, boulevard Lemire, à Drummondville, ou sur Internet au richardauto.ca. Richard Auto, endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve.
une fois, un gros merci à tous nos généreux partenaires. N'hésitez pas, ça vous tente d'embarquer dans la belle folie des gars de course. On est disponible pour vous faire de la place dans nos différents blocs publicitaires. On vous rappelle également que vous pouvez participer en tout temps à l'émission, y aller de vos commentaires et vous verrez vos noms, vos belles photos, vos beaux visages via Facebook, les gars de course, directement à l'écran. Alex Lajoie vient me rejoindre. Il est le pilote de la voiture numéro 33 Sportsman et le grand Manitou de Driver Performance, Driver Academy, Driver Simulation. Est-ce que vous avez résumé ça dans une seule expression? Vous avez vraiment trois divisions, Alex? Ouais, c'est... on se le demande. Mais tu sais, dans le fond, Driver seulement, Driver, ça fait vraiment... Ça englobe justement les trois divisions. Des fois, ça devient mélangeant, mais ça devient plus clair justement de les diviser de cette façon-là. Performance, simulation, puis académie, c'est tellement trois choses différentes, tu sais, qui tournent tout autour de la course automobile de différentes façons, là. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'en le divisant comme ça, ça devient plus clair pour nous autres. Et nous, ben, on n'est pas une filiale de Driver, mais on prend un coin de vos quartiers généraux ici à Saint-Hyacinthe. Merci de nous avoir fait une place, ton bureau juste à l'autre extrémité ici. On est dans la boutique, ni plus ni moins, de Driver. Et là, il reste d'autres choses à rajouter. Là, on est en train de finaliser les préparatifs, mais quand même, c'est de bonne augure et c'est un endroit qui, j'ai l'impression, va devenir rapidement un endroit bien rassembleur pour le monde des courses. Bien, c'est un peu dans le fond, dans cette optique-là qu'on l'a vu. Oui, c'est une boutique, mais en réalité, c'est un showroom, puis on a quelques marques, dans le fond, qu'on distribue, puis on veut s'assurer, dans le fond, que les gens, qu'est-ce qu'ils vont commander, bien, ça va avoir un bon fit. Donc, les souliers, les sautes, les gants, les casques, on a toutes les grandeurs pour qu'ils puissent essayer. Mais on n'a pas tant, dans le fond, le but d'avoir un inventaire vraiment énorme ici en stock. Puis, tu sais, c'est vraiment une place, justement, un genre de chilling room, racing room, tu sais, justement, qui va avoir l'émission, bon, les lundis normalement, peut-être même d'autres émissions qui vont se greffer à ça, des meetings, peu importe, mais vraiment, ouais, une place là, qu'on va rassembler les gens des courses, là. Juste en arrière, c'est le garage de course. Vous voyez, ben, je ne sais pas si on est capable de voir, mais il y a la voiture de Donovan Lucier là, qui a retiré les tôles. Il y a des, quand même, ben, la voilà justement à l'écran. Des rapides en régie, pas à peu près. merci à Cédric Savoie, toute l'équipe. Il y a une armée là, qui travaille là-dessus aujourd'hui. Mais ça, c'est le garage de course. On est dans seul, la boutique. Il était seul en fin de semaine dans le garage. Ouais. Là, non, c'est grand, c'est grand. Ça a bien, bien, bien du bon sens. Puis juste en arrière, on a notre studio de production. Et juste à côté, c'est le dyno. Et ma foi, c'est très impressionnant comme équipement, puis ça prend de la place, puis t'as le gros réservoir d'eau à côté, c'est vraiment, là, c'est spectaculaire. Ouais, ça a été je pense, un peu pour nous, dans le fond, une surprise. Bon, on s'est embarqué dans le projet du dyno avec le programme de SEAL, avec Dirt Car, tout ça, dans le fond, que Dominique chapeaute depuis quand même longtemps, là, les SEAL. Puis là, ça a changé un petit peu, ça prenait un dyno pour tester les moteurs. Fait que ça faisait du sens avec Driver, ce qui s'en venait avec Driver Performance. Fait que là, bon, c'est lancé dans l'achat de tout ça. Puis on n'avait pas beaucoup de temps parce que là, la saison arrivait, puis justement, il y allait avoir les moteurs neufs à partir de tout ça. Puis on voulait vraiment avoir un super bel équipement. T'sais, on essaie de monter quelque chose qui est sharp au niveau de l'achat. Fait qu'on voulait vraiment que ça nous ressemble. Fait qu'on n'est pas allé à moitié. Là, vraiment, on a toute une chambre insonorisée avec un système de ventilation quand même super, super performant. On peut vraiment partir les moteurs open headers, open muffler, puis toute la ventilation, dans le fond, emporte le CO2. Fait que c'est vraiment, vraiment super impressionnant. Ou comme tu dis, dans le fond, la grosse tank d'eau. Super, super, super équipement. Je pense que c'est sharp, là, dans le fond, la façon que c'est monté. Fait que, puis ça, équipement à la fine pointe. L'atelier en arrière, les moteurs. Ouais. Vraiment, vraiment bien. Moteur 602 pour les Sportsmen. On en a plusieurs en stock. Évidemment, ils sont flambant neufs. Si jamais il y a des problèmes mécaniques, bien, vous allez être prêts à répondre à la demande si jamais il y a des problèmes aux courses. Donc ça, c'est super. Malheureusement, ça fait partie de la game, la mécanique. C'est les courses. Mais au moins, on sait qu'il y a une disponibilité. Exact. Ça, c'est super important. Dis-moi, Alex, si on recule au tout début de la pandémie, moi, je me souviens très bien, on était dans le désarroi le plus complet au mois de mars 2020. Dominique Lucier m'appelle, me dit « Hey, Tony, j'ai quelque chose pour toi. On aimerait ça faire des courses de simulation sur le web. » Je dis « Ah, ouais, c'est normalement une bonne idée, mais techniquement, tu t'en vas où avec ça? » Et là, ben, un an et demi plus tard, voici où nous en sommes rendus avec trois filiales chez Driver. Aurais-tu pensé qu'en à peine un an et demi, on en serait rendu là? Non, vraiment pas. Tu sais, le projet a parti... Dans le fond, de moi et Dominique,
bon, je le contacte, je disais, ça serait le fun peut-être d'avoir des simulateurs en dessous de l'estrade, puis avec iRacing qui est rendu quand même assez bien développé, qu'on puisse faire essayer ça aux gens. Fait que ça part de là, bon, on part le projet, on monte deux simulateurs full motion, puis bon, justement, là, on s'appelle au 15 mars environ, ben là, la pandémie arrive, fait que c'est à partir de là. Fait que non, c'est sûr qu'on ne pensait pas qu'un an après, on s'est rendu avec tout ça. Ça a été un méchant job, là. Ouais. Mais super belle gang, dans le fond, autour avec le groupe Lucier, Autodrome, avec GF, avec Doom, tout ça. Super, super de belle gang. Puis bon, c'est tout du monde bien travaillant, puis au final, ben on a quelque chose là, qui est vraiment... Non, qu'on ne peut pas s'attendre, là, un an, ça, c'est... Et il y a des signes concrets, déjà. Je voyais en Sportsman, plusieurs nouveaux pilotes qui ont fait l'achat de voitures Sportsman chez vous. Oui, dans le fond, de plusieurs façons. À l'automne, ben il y a plusieurs personnes qui sont venues essayer à l'académie, qui, à l'époque, bon, ben c'était vraiment plus embryonnaire. On avait des voitures qui appartenaient à l'autodrome qu'on a fait essayer suite à la première année de simulation, qu'on voulait faire passer les gens de la simulation aux vraies courses. Puis finalement, bon, ça a été intéressant, puis il n'y avait pas de course. Fait qu'on s'est dit, bon, on va en faire essayer. Mmh. Il y a des gens qui sont passés de là. Après ça, on a eu d'autres personnes qui étaient intéressées, qu'on les a aidés à s'acheter des voitures ou qu'on les a accompagnés à certains niveaux. Donc oui, c'est vraiment cool de voir justement nos poulains, si on veut, dans le fond, là, maintenant, à Sportsman, qui performe super bien. Fait que c'est vraiment cool de pouvoir vraiment redonner ce qu'on sait sur le monde des courses. Puis sur les sportsmen que je connais plus là, quand même là, que d'autres catégories. Fait que c'est ça que je vais prôner pour cette classe-là que je trouve qui est un beau tremplin pour plein de choses, là, mais principalement les modifiés ou les sportsmen là, à temps plein. Là. Absolument. Tu parles de la Driver Academy. Est-ce que c'est possible dès maintenant pour les gens? Je vais essayer ça la semaine prochaine, dans deux semaines. Avez-vous des dates, un calendrier pour que les gens là, puissent tenter d'essayer ça? Oui, dans le fond, depuis trois semaines maintenant, mais en fait, non, depuis un mois, tous les dimanches au RPM, on fait dans le fond des journées de l'Académie. C'est des journées découvertes. Donc, on arrive et on peut faire 30 tours, 50 tours avec un sportsman. Puis, c'est vraiment dans le fond ça, un essai de la voiture pour se familiariser avec ça. Pas mal tous les dimanches, dans le fond, il va en avoir. Quand on va sur le site de driveracademy.com, il y a la prochaine date, dans le fond, qui est là, ou deux dates d'avance. Ça devient difficile, des fois, nous, avec la météo, ça peut changer un petit peu avec les horaires, dans le fond, des différentes courses. Bon, là, avec les cédules qui ont changé un petit peu, on devait pas avoir de course avant longtemps, fait que c'était simple. Là. On avait quasiment toutes les fins de semaine, on pouvait faire ce qu'on voulait. Ouais. Là, ça va être un petit peu différent. Mais oui, souvent, dans le fond, que tous les dimanches jusqu'à la fin, ou en tout cas, tant qu'on a de la demande, mais pour l'instant, on en a quand même pas mal. Les dimanches, c'est ça, dans le fond, c'est les journées découvertes. Après ça, les gens qui ont passé par là ou qui ont un peu d'expérience qu'on connaît, qu'on sait, bien, on peut aller faire, dans le fond, la formation apprenti qui est là, qui est à Granby, qui est avec la voiture open comme qu'on roule normalement. Puis là, c'est vraiment 4 fois 25 tours, mais c'est une formation complète. Là, une partie théorique, technique. On va marcher la piste ensemble, on analyse la piste. Puis là, à la fin de la journée, bien, souvent, on voit vraiment une grosse différence, dans le fond, dans quelqu'un qui voudrait passer à un niveau supérieur ou juste payer un méchant beau trip. Ouais. Puis il y a aussi, dans le fond, les forfaits corporatifs ou de groupe. Plusieurs compagnies, dans le fond, là, qui tournent autour des courses présentement qu'on connaît. Remorquage Bossonneau sont venus faire un tour récemment, dans le fond, avec tous leurs employés pour justement remercier. T'sais, c'était plus difficile de faire des parties de Noël. C'est plus difficile. Il n'y avait pas justement des loges aux Canadiens. Il y avait moins d'activités. Bien, nous, c'est à l'extérieur. Ouais. Puis ça fait vraiment de quoi de pour faire du team building. C'est vraiment, vraiment cool pour les clients, pour les fournisseurs, pour les entreprises. Ça va être la semaine aussi. On a une entreprise, dans le fond, bien connue qui vient justement dans deux, trois semaines pour faire trois jours avec ses employés. Il va y avoir des photos qui vont émerger de ça, dans le fond, de quand ils vont venir. Fait que oui, dans le fond, tout est disponible là, dès maintenant. Là. Alex, ben merci beaucoup de nous faire un petit peu de place dans tes quartiers généraux ici à Saint-Hyacinthe. On va se voir couramment au cours de la saison de course. Tu demeures un pilote actif. Il y a du travail à faire un peu sur ton bolide après l'accident hier. Ouais, ça n'a pas été une super fin de semaine. Ça a bien débuté. On a eu un bon time trial, une bonne qualif le vendredi. En finale, on a fait quelques tours. Après ça, un petit bris de suspension qui a fait que la voiture était vraiment difficile à chauffer. Bon, on s'est rendu jusqu'à la fin, fini cinquième, mais c'était vraiment, vraiment difficile. Puis hier, ben là, vraiment pas une bonne finale pour nous. Là, ça a mal fini. Là, la voiture est quand même assez amochée, mais mon équipe travaille là-dessus aujourd'hui. Je suis vraiment chanceux, dans le fond, de les avoir. Là. Ils ont travaillé là-dessus toute la journée, puis ils ont avancé. C'est pratiquement remis en ordre. Là. Fait que je les remercie, là, toute la gang
vraiment, là, c'est, sans eux, je pourrais vraiment pas être là, c'est clair. Là. Mm. Fait que oui, c'est ça, on n'a pas eu une super fin de semaine, mais avec l'expérience, on sait que la saison est longue, puis on va revenir la semaine prochaine. Je pense qu'on a des images de la séquence fatidique d'hier. Est-ce que c'est bien ça? Oui, un petit peu plus loin, je pense, dans la vidéo. En tout cas, ça a le brassé un peu. Il y a eu d'abord le premier carambolage qui a impliqué, entre autres, le bolide de Raphaël Goujon. Je pense que c'est là on va pouvoir vous montrer l'image en question, là, le carambolage, le début. Évidemment, tu es un peu plus loin dans le peloton, mais par la suite, ça a commencé, ça a quand même... C'est au prochain passage, oui. En tout cas, une chose est sûre, il y a des nouveaux pilotes pas mal sur la piste, puis il y a du trafic pas à peu près. Il y en a pas mal, oui, oui. On en est là, je pense. Oui, voilà. Directement là, l'accrochage, bing-bang, pas loin du mur. Ça ne pardonne pas, le Todrong Granby. Hein? Il n'y a pas d'endroit, puis c'est pour éviter le contact avec le mur. Ouais, c'est la première fois que ça m'arrive, dans le fond, d'avoir un contact. Là, ça a frappé de tous les côtés. Le char faisait des 360, puis ça a frappé de tous les sens. Pas le feeling doit être assez ordinaire. Ouais, c'est pas super cool. Fait qu'on va espérer que ça n'arrive plus. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, ça fait partie des courses. Alex, un gros merci. On se reparle bientôt. Merci à vous autres. Pour vrai, je suis super content de vous avoir. Là, justement, la semaine passée, quand on a appris qu'il allait y avoir des courses qui allaient commencer, que le couvre-feu s'enlevait, bien, la première chose que j'ai pensé, c'est qu'il faut commencer les émissions en live dans le studio. Ouais. C'était vraiment cool justement de les faire à distance depuis la dernière année, pendant Driver Simulation, puis après que vous avez continué. Mais en live, c'est tellement cool. Bon, là, il y a encore une distanciation, tout ça, mais il y a quand même un petit esprit de gang qui va s'installer, puis je suis vraiment content de vous accueillir dans mes locaux. Ouais, puis on a d'autres idées en tête là, pour amener travailler avec les caméras. Là, puis le fait qu'on soit là, c'est déjà très, très bien. Ça a été vraiment à monter rapidement, un bel job là, pour vrai, là, de la régie, l'animation, vraiment. Vraiment, merci pour tout ça, Alex. Merci encore, puis on se reparle la semaine prochaine, en souhaitant qu'on ait des courses. Certainement. On fait une pause, mais avant ça, c'est passé rapidement là, tantôt là, sous mon radar, effectivement. Il y avait aussi les slingshots en fin de semaine du côté de l'autodrome Granby. Alors, on souligne les victoires d'Olivier Boissonneau et de Mathis Caron sur le petit circuit. Jodoin et associé avocat du côté de Granby. Félicitations à vous autres. On fait une pause et au retour, l'actualité de l'IndyCar. C'était les 500 000 d'Indianapolis aujourd'hui. Et le vétéran pilote Helio Castroneves est venu l'emporter. Et au grand plaisir des 135 000 spectateurs présents. Écoutez bien ça, 135 000! C'est ça qu'il y avait aujourd'hui à Indianapolis. À tout de suite! L'Autodrome Granby, c'est la place pour vous divertir les vendredis soirs. De la vitesse et de l'action, mur à mur pour les amateurs de sensations fortes. En plus, c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Parfait pour une belle sortie en famille. L'Autodrome Granby, c'est la piste sur terre battue la plus rapide du Canada. Venez vivre l'expérience sur place et vous pouvez même prendre le volant comme les pros. Contactez l'équipe de Driver Academy pour plus de détails. Festidrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silver Wax, Prolon Control et Choix Radio X. De retour dans cette semaine aux courses, un de nos boys de course, Cédric Blondin, passionné d'IndyCar. C'est un maniaque fini. Tellement maniaque qu'il est parti de Mirabel venir faire le show ici ce soir à Saint-Hyacinthe. Salut Cédric, comment vas-tu mon cher? Ça va super bien toi Anthony, tellement content d'être là. L'ouverture du studio, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Ça. Ben absolument, parce que sinon en temps normal, tu aurais été du côté d'Indianapolis assurément aujourd'hui. Tu as déjà connu une expérience des 500 000 à déjà quelques occasions. C'est une journée très, très spéciale. Il faisait un temps absolument sublime aujourd'hui du côté de la Mecque de la course automobile aux États-Unis. Et
sans dire que ce soit une énorme surprise, c'est quand même une agréable surprise pour les amateurs qui étaient présents, la victoire d'Elio Castroneves. Ah oui, quelle surprise! Elio Castroneves, là, ça fait depuis 2009 qu'il n'avait pas remporté la course. C'est sa quatrième victoire en carrière sur le circuit ovale d'Indianapolis. C'est le quatrième de l'histoire à obtenir sa quatrième victoire après A.J. Foyt, Al Unser et Rick Mears. Donc, c'est très impressionnant. Ça le met dans l'élite de l'histoire, on le savait. C'était déjà quelqu'un qui était très reconnu. Seule affaire pour lui qui fait qu'il n'est pas encore dans les gros noms, c'est qu'il n'a pas gagné de championnat en carrière quand il était avec Penske. Et encore plus, là, il remporte avec Meyer Shank Racing. Première victoire de cette écurie-là, Meyer Shank Racing. Donc, très impressionnant. Puis la foule. Ah, incroyable. Impressionnant. Là, c'était incroyable quand il a monté dans les estrades comme qu'il fait. Il fait toujours le Spider-Man. C'est un traditionnel, Elio Castroneves, quand il grimpe dans la clôture. Et là, le voir monter tout le monde, son écurie, c'était magique. J'ai jamais vu le temps aussi long que ça avant qu'il se rende au podium. Ça a pris une quinzaine de minutes. Ah, normalement, ouais. Ça se fait en claquant des doigts, donc c'était impressionnant. Lui, il a vraiment savouré le moment. Bon, on voit des belles images, entre autres, justement, de ce que tu parles. On est vraiment grimpé dans la clôture pour aller festoyer avec les amateurs. C'est extraordinaire. À quoi? À demi-capacité, à peu près 135 000 personnes à Indianapolis? Normalement, on parle de plus de 300 000 personnes. Donc, c'est presque la moitié, ça. Puis, à 300 000, c'est même pas rempli. C'est incroyable. C'est complètement fou. J'ai bien des amis qui étaient présents, des amis d'Indianapolis, et on dit que ça, pour eux autres, là, ça a tellement fait du bien. Ben, là, parce qu'eux autres, c'est un classique. Ils ont grandi avec le Indy 500 et à quel point eux autres étaient contents de voir ça. Au moins, ça a été moins long se rendre à la piste, qu'ils me disaient, mais c'était une belle course. C'était vraiment puis, pour ajouter à l'importance, à l'ampleur de l'événement, c'est la plus grosse foule au monde depuis le début de la pandémie. Ouais. Et ça s'est passé aujourd'hui, ça, du côté d'Indianapolis, avec 135 000 personnes sur place. Je vois ça un petit peu comme un vent de changement, l'optimisme pour la suite des choses. Même de notre côté, en fin de semaine à Granby, il y en avait seulement 750, pas mal moins qu'Indianapolis, mais c'est du monde pareil. Alors, pour moi, ça, c'est super positif. Puis, on voit ça, les gens semblaient très heureux. Justement, le flyover, comme on a d'habitude dans les événements importants. On a eu ça aujourd'hui à Indianapolis. On a eu un bon show sur la piste aussi. Il faut que tu nous ramènes un petit peu sur l'action qu'il y a eu aujourd'hui lors des 500 000. Oui, la victoire de Castroneves, mais quels ont été pour toi les moments forts de l'épreuve? La course s'est jouée au début. C'est rare qu'on dise ça, mais on savait que Scott Dixon partait en pole. Il s'est fait prendre au début de l'épreuve. Il a attendu trop. Il s'est ramassé dans la zone de danger qu'on appelle lorsque tu es un des derniers à t'arrêter. Il s'est fait prendre alors qu'il restait seulement lui à s'arrêter lorsqu'il y a eu un drapeau jaune. Et l'accident est arrivé dans la ligne des puits. Donc, il ne pouvait pas s'arrêter. Il est arrivé à son arrêt, plus de gaz, complètement. Il a réussi à se rendre à son pit, comme qu'on appelle. Et ils ont réussi à le remplir, mais ils ont eu de la misère à repartir sa voiture parce qu'il l'avait calé. Et à cause de ça, il a pris un tour de retard, s'est ramassé derrière à un tour de retard. Même chose pour Alexander Rossi. Donc, l'auteur de la pole, le favori sans aucun doute de l'épreuve, au 35e tour, se ramassait à un tour derrière. Un des deux pilotes était dans le fond. Et finalement, il a terminé quand même 16e. Il a réussi à rattraper son tour avec une stratégie. Mais la course s'est jouée là. Les 100 premiers tours étaient quand même assez calmes. On savait que la course se gagnait pas dans les 100 premiers tours. Mais à partir de la moitié, de la deuxième moitié de course, c'était complètement incroyable. Des dépassements. On a vu Elio Castroneves, Alex Palou, qui est incroyable cette année. Ouais. Fini deuxième. J'avais le feeling que c'était lui qui était pour l'emporter, honnêtement. Mais Castroneves, avec son dépassement, en arrivant à la ligne de départ, arrivé avec le deux tours à faire, il a réussi à prendre la tête de la course à ce moment-là. Il n'a jamais regardé derrière. Bien, super épreuve du côté d'Indianapolis. Évidemment, le fait saillant de la saison. Mais jusqu'à maintenant, depuis le début de l'année, c'est assez palpitant. Tu as un paquet de candidats pour gagner des courses en IndyCar. D'ailleurs, il n'y a jamais eu deux vainqueurs pareils depuis le début de l'année. Effectivement, on a passé proche avec Alex Palou. Ouais. Là, Elio Castroneves, qui n'est même pas un régulier, qui l'emporte. Il fait deux courses cette année. C'était deux courses. Il a fait la course sur le Grand Prix. Et en plus, celle-là, quelle surprise, on le sait. Mais qu'est-ce qui est imposant, puis j'en ai parlé la semaine dernière, c'est qu'Indianapolis, c'est double de points. Donc, l'impact au championnat des pilotes est là. Alex Palou,
est maintenant premier au championnat des pilotes. Et malgré toute la domination du Scott Dixon depuis le début de la saison, t'as un peu moins de 40 points. T'as 212 points, Scott Dixon. Donc, l'écart de points, c'est quasiment 50 points entre le fait de terminer deuxième et le fait de terminer 16e entre les deux. Donc, on voit la parité et c'est ça qu'on a vu. Et Alex Pelot n'a pas le choix de commencer à le considérer pour le championnat des pilotes. C'est tôt quand même, mais il est régulier comme une horloge depuis le début de la saison. Puis il avait débuté avec une victoire à Barber. Ouais. Et ça continue pas mal pour le reste de la saison jusqu'à maintenant. Bon, on vient de passer presque un mois du côté d'Indianapolis. Il y a eu le circuit routier, les qualifications la semaine passée, l'épreuve en question aujourd'hui. Quelle est la suite des choses du côté de l'IndyCar? C'est rare. Normalement, on a une course la semaine d'après. On se retrouve dans les rues de Belle Isle à Détroit, sur l'île de Belle Isle. Et cette année, ils ont pris la décision d'avoir une semaine de repos entre les deux, ce qui est une bonne chose parce que c'est complètement éreintant le mois de mai à Indianapolis. Ils se retrouvent à Belle Isle le 12 et 13 juin. C'est un programme double, un doublé, donc une course le samedi, une course le dimanche. Ensuite de ça, la semaine d'après, à Road America, traditionnel circuit vraiment magnifique dans le Wisconsin que j'ai eu la chance de visiter en 2019. Complètement incroyable. Après ça, Mid-Ohio. Et après ça, là, on va voir c'est où que ça va parce qu'il y avait la course à Toronto qui a été cancellée. Mais là, on n'a pas eu trop d'infos, savoir qu'est-ce qui allait être donné. Mais on ne pense pas que cette case-là va être remplacée par une course. Ce serait peut-être un programme double qui serait une deuxième course dans la même fin de semaine qui serait ajoutée comme qu'il l'avait fait l'année dernière pour s'ajouter avec la pandémie. Mais bon, c'est ça. Donc, les courses au mois de juin, il y a trois courses qui sont contre le programme double. Une semaine de repos entre les deux. Et Bel Air, c'est toujours une belle piste. On devrait avoir, si j'avais une prédiction à dire, c'est que on devrait avoir un autre niveau vainqueur. On sait que les Penske n'ont pas été très, très chanceux cette année. Will Power va bien finir par en gagner une. Ah, il était encore une fois malchanceux cette année. Il était mal, c'est à la course, il y a encore une fois un problème aux aéros. Puis il y a eu un accident dans les arrêts. c'était pas l'année, mais parlant de Penske, j'ai pas le choix de parler de Simon Pagenaud. Vous savez à quel point j'ai eu la chance de parler avec ce pilote-là. Il a terminé troisième. Il est parti en fond de grille. Il a mené, il est ramené dans la course tout le long. Il a terminé troisième. Et, d'après moi, s'il y avait deux tours de plus, il gagnait la course. Il était pas très loin. Il a terminé à moins d'une demi-seconde d'Elio Castroneves. Ça représente un peu, là, c'est le fun de voir ça, Pagenaud, surtout où ce qu'il partait. Je l'avais dit qu'il avait une bonne voiture de course. Mais là, est-ce que Penske, dans leur terre à Détroit, vont être capables d'aller chercher une victoire? Je l'espère. J'ose imaginer que oui. Ce serait intéressant de suivre ça. Bien, on s'en reparle très prochainement. Merci, mon cher Cédric, spécialiste IndyCar. Merci d'être venu faire un tour dans nos studios. Puis à la prochaine. Bien, merci beaucoup, Anthony. Ça me fait plaisir. Au retour de la pause, place au NASCAR, parce que là aussi, il y avait un très gros week-end d'action en fin de semaine à l'occasion du Coca-Cola 400 à Charlotte Motor Speedway. On a tous les détails pour vous au retour. Je me demande encore comment ça se fait que je me suis trompé. Coca-Cola 600 cette semaine du côté de Charlotte Motor Speedway. C'est toujours en cours d'ailleurs du côté de Charlotte. Kyle Larson qui mène au vent de la voiture de Hendrick Motorsports numéro 5. Kevin Lusignan se joint à nous sur le studio. Comment ça va mon cher Kevin? Ça va très bien toi Anthony? Comment t'as trouvé ta fin de semaine?
DJ Lulu à l'œuvre à Green Bay. Ça a fait du bien. Ouais. Hein? Ça a fait du bien au moral, je pense. De tout le monde. Ouais. Même si on était très actifs, je trouve que justement, je recommence à travailler demain. J'ai le goût de travailler pour aller à vendredi prochain. Mm. C'est juste pas si vendredi va avoir lieu, mais je pense qu'on s'en va vers ça. Ben tant mieux, tant mieux. On a passé vraiment un beau week-end, travailler avec les gars de course et tout ça, alimenter nos différentes plateformes pour. On le tient à le souligner. Puis, avant de poursuivre plus loin là, dans la discussion NASCAR, dès demain matin, vous aurez, comme d'habitude, la balado-diffusion disponible partout dans vos déplacements. On n'a pas encore déconfiné à 100%, mais il y aura certainement un petit peu plus de déplacements au cours des prochains jours. Donc, l'occasion sera belle d'écouter l'édition actuelle des gars de course cette semaine aux courses via Spotify. Maintenant, NASCAR. Présentement, qu'est-ce que tu as été en mesure de voir du Coca-Cola 600 qui est toujours en cours? Larson, candidat très sérieux lors de chacune de ses sorties. Il connaît vraiment une saison très, très intéressante. Ben justement, on le voit jusqu'à présent, c'est lui qui a remporté le stage 1 et le stage 2 du Coca-Cola 600. La question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'il va rester à l'avant? Parce que oui, souvent, il se fait dormir la position de tête par ses coéquipiers. On le sait, les voitures d'Hendrick cette année, c'est toujours spectaculaire, mais là, on le voit que encore Larson dominant. Je ne serais pas surpris que ça aille chercher sa troisième victoire déjà. Cool. Il est déjà assuré participer à la chase et les points qu'il amasse depuis le début de la saison vont le placer avantageusement dans le haut du tableau lorsqu'on arrivera dans le top 16 à la fin de la saison dans le NASCAR. On va revenir justement sur les épreuves d'en fin de semaine parce que la série des camionnettes et également la série Xfinity étaient du côté de Charlotte. On a les résultats top 5 présentement. Kyle Larson devant William Byron, son coéquipier. Kyle Busch est deuxième. Chase Elliott et Alex Bowman, quatrième et cinquième. Donc, les quatre Hendrick dans le top 5. Rick Hendrick n'a plus savoir sur comment se tenir. C'est incroyable, la saison. Je pense que du côté d'Hendrick, on a vraiment trouvé une recette que les autres équipes n'ont pas encore. Ouais. C'est vraiment ça, parce qu'on le voit. On n'en parlait pas plus tard que la semaine passée. C'était pareil. Les quatre ont terminé à l'avant-plan. Regarde, on le voit encore. C'est bon pour le championnat d'équipe. On s'entend à côté d'Hendrick. C'est pas acquis, mais si ça continue comme ça, on est sur la lancée de ramasser le championnat d'équipe également. Ils ont fait le pari d'aller chercher de jeunes pilotes. Et Rick Hendrick a été quand même critiqué. Son choix d'Alex Bowman a été critiqué. Le choix de celui de William Byron également. Fallait remplacer de très grosses pointures. Jeff Gordon est parti. Dale Jr. est parti. Et Jimmy Johnson l'an passé. Donc, je veux dire, c'est des légendes du sport qui ont quitté, qu'on a remplacé par des jeunes et un pilote qui amenait son lot de controverses en Kyle Larson. Oui, effectivement, mais je pense que ça va amener plus que ça. Je pense que ça va amener à la discipline parce que Hendrick a ouvert les yeux à beaucoup d'autres équipes. On le voit dans chacun des sports. Au hockey, souvent, les jeunes prennent la place des vétérans. Je ne serais pas surpris justement que ça puisse bénéficier de jeunes qui courent en camionnette ou qui courent en Xfinity. T'sais, on parle d'un Alex Labbé qui, oui, n'est pas vraiment vieux non plus, mais qui arrive fin de la vingtaine, près de la trentaine. C'est le genre de peut-être de move qui pourrait permettre à ces gars-là justement de monter en cop. Pourquoi? Parce que on mise sur la jeunesse, puis si ça marche chez Hendrick, pourquoi ça ne marcherait pas ailleurs? Oui, mais en tout cas, les pilotes, plus difficile maintenant de signer des contrats à plus long terme. On le voit avec Brad Keselowski, signé seulement une extension de contrat d'un an. Et là, tout porte à croire qu'il va devenir un actionnaire chez Roush Fenway Racing l'an prochain pour devenir un pilote, le pilote de pointe dans cette écurie. Donc, une place très importante qui va s'ouvrir du côté de Penske l'an prochain. Ben oui, mais on s'entend qu'avec un Austin Cendrick qui marche, lui qui s'en va là, c'est ça, c'est comme écrit dans le ciel que Cendrick va avoir ce volant-là avec la voiture numéro 2, mais il est dominant dans Xfinity, je pense que sa place est plus, est plus considérable. Là. Les gens qui fassent le move. T'sais, on a Ty Gibbs qui oui, court aussi en cup, mais dans une série, une écurie qui est un petit peu moins de haute qualité. Je serais pas surpris qu'il se ramasse aucun volant, qu'il y ait une écurie qui soit en avant-plan plus souvent aussi qu'allemand. Camionnette, du côté de Charlotte, une épreuve qui a été marquée par un accident spectaculaire. On va aller d'ailleurs vous présenter des images de ce qui s'est passé en camionnette. Bien, il y a souvent des accrochages spectaculaires en camionnette. On va aller commenter là, sur ce qui s'est passé vendredi soir. Disons qu'il y a une camionnette qui en a goûté pas mal plus dans l'accrochage en question. Bien, on le voit justement, c'est... Côté de Sheldon Creed, on est à l'intérieur et c'est ça risque que ça fesse. T'sais, du côté de Charlotte, c'est des vitesses qu'on ne se cachera pas. Là.
Mais on s'en va dire, on va la voir juste à l'instant. La séquence est un petit peu plus longue que prévu. Là. Ouais. Mais ça, on est venu en contact, puis là, du coup, justement, c'est du côté de Matt Crafton. Matt Crafton. Tu t'ennuies le moteur de son côté, et par la suite, on va voir justement du côté de la. Bon, on dit que c'était un petit peu plus loin du côté de la séquence, on va la repasser dans quelques instants. Donc, ouais, ben c'est ça, c'était. La voilà, là, justement. Là, ah c'est bon, voilà. Un contact qui s'est fait directement, puis ça, la camionnette est complètement démolie. Là, on a arraché tout le côté extérieur de la voiture. Non, c'est de ça que ça a l'air. le châssis d'un bolide. Ouais. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui ne connaissaient pas c'est quoi un châssis de camionnette, le voici. Exact. Un contact qui fut sérieusement hors du commun, puis qu'on a vu passer justement sur tous les réseaux sociaux dès samedi, hein, parce que c'était un accident spectaculaire. Donc, la victoire dans cette série, les camionnettes John Hunter Nemechek, encore une fois, qu'on a connu en Cup Series l'an passé, pris la camionnette de Raphaël Lessard qui pilotait l'an passé chez Kyle Busch Motorsports, puis on savait que c'était une valeur sûre et qu'il allait gagner des courses cette année. Oui, mais Nemechek est parti à l'avant-plan au début de la course et a resté à l'avant-plan tout au long de la course de la camionnette. Par la suite, Carson Assovar qui est terminé en deuxième position et Ben Rhodes qui a une très belle saison également depuis le début de l'année. Si on parle de notre petit Canadien, Stuart Friesen est quand même venu terminer à l'avant-plan, terminé quatrième du côté de Friesen, donc toujours dans la chaise justement. Il n'y a pas de victoire encore, mais dans les points présentement pour se qualifier justement pour la chaise. Donc il va être à surveiller sans aucun doute du côté de Friesen. Puis le lendemain, ben, c'est à la Xfinity. Victoire, justement, on parlait de Ty Gibbs tantôt. Victoire de Ty Gibbs. Ty Gibbs était parti en 8e position. Il avait quand même remonté jusqu'au 28e échelon et a réussi à ramener la voiture à l'avant-plan, suivi d'Austin Cendrick qui, comme on dit, il n'est pas premier, il est deuxième. Il est pas loin. Ouais. Et Harrison Burton qui vient terminer la troisième marche du podium du côté de la Xfinity. Deuxième meilleur résultat cette saison pour Alex Labbé. Il a ramené la voiture en 14e place. Alex, du côté de Charlotte, c'est pas un circuit qui va être très profitable à DGM Racing. On se bat avec un budget plus restreint, mais de le voir terminer top 15, c'est excellent dans le cas de Labbé. Bien, Alex, depuis qu'il est venu justement avec nous, bien, on le voit terminer à l'avant-plan plus ça souvent. Va mieux pour lui, effectivement. Je pense qu'il va venir faire un tour avec les gars de course éventuellement. On le voit, là. Il nous l'avait dit en primeur que la capacité du côté de sa voiture, ça va de mieux en mieux. Et regarde, on voit les résultats s'accumulent. Ça devient de plus en plus positif pour le pilote québécois. Alors, on a la mise à jour du côté de Charlotte Motor Speedway, Coca-Cola 600 présentement. Toujours Kyle Larson devant Kyle Busch, maintenant deuxième. Byron, Elliott et Bowman. Donc, on vise vraiment là, 4 voitures dans le top 5 du côté de Hendrick Motorsports. On est maintenant en deçà de 100 tours à faire du côté de Charlotte Motor Speedway. Kevin Usignan, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine. Bien, on va parler de Chaudière dans quelques instants. Oh oui, excuse-moi. Ben oui, absolument. On va rester là-dessus d'ailleurs. Parle-moi de Toronto Chaudière qui ont commencé leur action en fin de semaine à la dernière minute. Même chose que l'autodrome Granby, on a reçu l'accord de la santé publique pour présenter des courses du côté de nos partenaires à l'autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Parle-nous des résultats dans fin de semaine à Chaudière. Justement, on avait une course hier soir avec le Lingus Caron 150 fait sur 2 jours. Donc, tout est des sportsmen. Samedi, c'est une victoire de Daniel Descostes. En 2e place, on a un Patrick qui on a fait justement les résultats, et Louis-Philippe Lozière qui a terminé 3e. Sport Compact, victoire d'une fille, Chloé Grondin qui remporte, Jérémy Bergeron en 2e position et Éric Despont 3e. La NASCAR Late Model, Danny Trépanier, suivi de Jean-Philippe Bergeron et de Alexandre Tardif pour la soirée d'hier. Et aujourd'hui, parce qu'il y en avait également aujourd'hui, du côté des Vintage, victoire de Steven Grondin, suivi de Jimmy Gagné et Patrick Werner. En sport compact, Éric Despont, suivi de Jérémy Bergeron. Donc, 2e place pour Bergeron cette fin de semaine. Commence bien la saison. Et Mathieu Lambert et de la finale NASCAR Late Model également, avec victoire d'Alexandre Tardif devant Christophe Paquet et Danny Trépanier, qui vient également terminer sur le podium. Donc, 2 podiums de son côté également. Ah, si vous cherchez, parce que majoritairement, les gens qui nous regardent, ce sont surtout des amateurs de courses sur terre battue, mais si vous vous déplacez dans l'Est un petit peu plus, quel site de course extraordinaire que l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. D'ailleurs, nous aurons, c'est probablement déjà installé, là, la grande affiche des gars de course sur la ligne droite extérieure. Alors, merci de l'appui de l'Autodrome Chaudière dans le projet des gars de course. On la voit justement. Ben oui, on l'a vu. Ben oui, t'as raison. On l'a vu passer à l'écran. Donc, la belle affiche noire là-bas, puis on va aller faire une visite sans aucun doute cet été. Absolument, parce qu'on nous donne l'accord, puis on va y aller, on va aller faire un tour.
C'est sûr. Merci, Lulu. Merci à toi. À la semaine prochaine. On va compléter l'émission dans quelques instants. Le président des gars de course, Tommy Lavallée, est de retour pour les choix du président. Et on a des séquences à vous montrer également sur la terre battue au cours du week-end. Il y a eu très peu de courses du côté américain, beaucoup de pluie au cours de la fin de semaine. Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne, au 625A, boulevard Lemire à Drummondville ou sur internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. L'Autodrome Drummond fête ses 70 ans et se réinvente. No classe locale, modifié Sportsman Pro Stock Lightning Sprint Mud Light Slingshot Junior et Senior ainsi que STR seront à l'affiche. Viendra s'ajouter la Super TT National Série, mettant en vedette VTT, SXS et Autocross. Également la série NAFT, North American Flat Track. La visite de la série Empire Super Sprint à deux reprises. La série Dirt Car Gros Bloc. Le Race Mania 17. Et l'événement de l'année à l'Autodrome Drummond, le Québec Dirt Weekend. Deux soirs de course, dont une bourse de 12 000 $ aux gagnants le samedi soir pour une course de 170 tours en modifié. Veuillez noter que la situation concernant la COVID-19 pourrait avoir un impact sur les soirées de course de l'Autodrome Drummond en 2021. Advenant le cas, tous les détails vous seront dévoilés dans les plus brefs délais. L'Autodrome Drummond, la F1 de la Vestidrac Développement, une entreprise 100% québécoise, contribue à développer des pilotes de course d'ici, partout en Amérique du Nord. Vestidrac Développement tient à remercier ses précieux partenaires. Silver Wax, Rousseau Métal, Richard et compagnie, Volon Control, VP Racing Fuel et DL Performance, Globocam, Groupe Brière International, le Grand Prix de Trois-Rivières, Dumoulin Compétition, Permatex, Vestidrac.tv, Hypertech, Trois-Radio X et 91.9 Sport. Cette semaine aux courses se complète toujours par Tommy Lavallée qui se joint à moi pour le segment de clôture de l'émission. Commence en force, puis on termine en force. C'est bon, ça. Ben oui. Tommy, comment t'as trouvé l'émission, le studio, la technique? Moi, ça va vite à l'animation. Là, je m'assieds sur mon steak, puis j'anime. Là. Mais toi, t'es en arrière. Comment ça se passe? Je pense que ça va super bien. Évidemment, il va y avoir des ajustements à faire. Mais vraiment, Cédric à la régie, il travaille très fort. Vous devriez voir ça, c'est incroyable à quel point il travaille. Exact. Mais je pense que tout va bien jusqu'à présent. Le studio, le décor, c'est incroyable. Il y a des gens qui nous ont dit justement là, qu'ils aimaient bien ça voir la shop de course en arrière, mais pas mal dispositif, Anthony. Oui, et pendant ce temps, Dominique Lucier, David Hébert, toujours en grande discussion. Ça fait plus d'une heure qu'ils discutent. Salut les boys! Tommy, on va justement faire une mise à jour sur ce qui se passe présentement dimanche du côté de Wii Sports Speedway. Présentation d'une épreuve de 100 tours comptant pour la série Dirt Gros Bloc. On en est où présentement dans le programme? On est en préparer la ligne de départ pour faire la grande finale de 100 tours. D'ailleurs, on va avoir là, sous peu, là, on voit des photos du côté de Wii Sports. Là. On va voir la ligne de départ. Là. Miniburn nous a préparé ça. Mais ça risque d'être très intéressant parce qu'on l'a dit tout à l'heure, Matt Shepard et Stuart Friesen n'avaient pas remporté de victoire lors des qualifications. On voit d'ailleurs l'alignement de départ. Jamie Phelps qui est chez eux, lui. Oui. Lui, il s'occupe de cette piste-là. Donc, lui, il est vraiment chez eux. Billy Decker, Matt Shepard, Stuart Friesen. Donc, la deuxième ligne, ça va être à surveiller. Friesen ne gagne pas son heat, mais quand même, très chanceux à la pige, encore une fois. Williamson, le troisième. Williamson, pas facile dans le 88 depuis le début non, de la saison. Ça va être à surveiller. Ouais. Justin Ears qui a terminé deuxième hier à Canandaigua, Max McLaughlin, Tim Sears, Chris Hyle, Larry White, donc Peter Britton. Vous les voyez tous. Mike Mahoney vraiment pas été chanceux à la pige, partira 12e. Mahoney, c'est probablement le pilote le plus constant depuis le début de la saison.
Finit presque toujours dans le top 5, presque toujours sur le podium. Là, que ce soit dans la STSS ou dans la série Dirt, même à ses pistes locales. Là, très, très bon début de saison. Oui, vraiment, vraiment une saison au-delà des attentes, probablement pour Mike Mahaney. On travaille là-dessus. On devrait être en mesure de lui parler prochainement dans cette semaine aux courses. Convaincu là, que Mike sera un excellent intervenant pour nous parler de ses aventures aux courses. Avec Mandy ou seulement Mike? Les deux sont les bienvenus. on est bien recevants, nous. On est bien recevants. Aucun problème. Dis-moi, Tommy, tu parlais tantôt de Stuart Friesen. On va présenter quelques images de certaines courses, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup en fin de semaine. Non, vous le voyez, là, c'est assez dégarni dans le ticker en bas de l'écran pour ce qui est des différents résultats. Ce qu'on vous présente grâce aux images de Flow Racing, c'est à Track of Champions. Du côté de Fonda Speedway, on présentait un hommage au pilote Dave Leip en fin de semaine. Deux épreuves de 22 tours en finale. Donc, c'est vraiment deux finales qu'on a présentées. Et qui d'autre que Stuart Friesen pour balayer les honneurs? Première finale, Friesen part 12e. Donc, ça n'a pas été long qu'il a remonté. Évidemment, vous le voyez, déjà rendu 3e. Une excellente voiture, toujours à Fonda. Pour ceux qui connaissent Dave Leip, c'est un pilote là, qui a eu toute une carrière du côté de Fonda. La voiture 22 avec des flammes, là, une voiture très caractéristique de Dave Leip. Mais quelle performance de Stuart Friesen. Parti 12e, remporté la finale. Dans la deuxième finale, bien, il a encore gagné, mais là, il est parti de la troisième place. Donc, encore une fois, performance impeccable de Stuart Friesen. La piste de Fonda est à quelques minutes de sa résidence aux États-Unis. Il est vraiment à la maison à Fonda, puis il l'a encore prouvé en fin de semaine. Moi, ce qui m'impressionne dans le cas de Friesen, c'est à l'entrée de la courbe numéro 3. Il arrive à pleine vitesse, il n'y a à peu près aucune décélération de sa part à l'entrée de virage. Et ça roule vite à Fonda, là, à l'entrée de la courbe numéro 3. Beaucoup de vitesse en virage, mais Friesen est incroyablement à l'aise. Oui, puis on l'a vu sur le départ, là, David Schilling a tenté un peu de l'intimider. Là. Il partait à l'intérieur, puis il a été l'emmener, puis regardez finalement ce que ça a donné. Et voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est terminé pour la victoire de Stuart Friesen. Mais la vitesse à laquelle il rentre dans les coins, comparativement aux autres pilotes, puis c'est pas des pieds de céleri, là. Mais non. C'est incroyable. Il est vraiment une classe à part. Une grande soirée. On parlait de Mahaney. Plus difficile pour lui. Il est impliqué dans un accrochage du côté de Fonda. Donc, on le voit à la conclusion. Une autre victoire signée Stuart Friesen. Deux fois plutôt qu'une en fin de semaine du côté de Fonda. On parlait de Kyle Larson. Tantôt, t'allais s'amuser en Sprint Car 410 en Ohio cette semaine lors d'une épreuve présentée à Atomic Speedway en Ohio dans la série Fast, une série un petit peu moins connue de Sprint Car, mais la bourse, 20 000 $ au gagnant. Et c'est Larson dans la voiture 57 préparée par Paul Silva qui est venu gagner ça. Très surpris de voir qu'il n'y avait pas plus de gros noms que ça, Anthony, à cette course-là, avec 20 000 au gagnant. Larson est parti quatrième. Vous pouvez voir que le circuit est quand même assez large et très rapide. Il n'y avait pas beaucoup de dépassements, mais tout de même, encore une fois, on parlait de Friesen, un pilote d'exception. C'est la même chose pour Kyle Larson. Peut-être un peu moins téméraire cette année. Fait plus attention, étant donné que son gagne-pain, c'est le NASCAR et pas le Sprint Car, de ne pas gagner absolument. Mais vraiment, encore une fois, très belle performance de sa part. Vous voyez les images. Très belle piste aussi. C'est une piste que je n'avais pas vu de spectacle à cette piste-là. Mais surtout lorsqu'on parle que les meilleurs de la discipline ne sont pas là, c'est dur de miser contre Kyle Larson. Exact. Il l'a apporté relativement facilement dans cette finale du côté de Atomic Speedway et présentement toujours en piste au Coca-Cola 600 du côté de Charlotte. Et on termine notre survol avec les Sprint Cars du côté de Knoxville. Annulation en raison de la pluie pour les épreuves chez les World of Outlaws. Qu'est-ce qu'on a fait? Pour plusieurs d'entre eux, direction Knoxville, où on présentait une épreuve en 410 hier, une épreuve régulière. Mais c'est un outlaw, sans surprise, le Big Cat, Brad Sweet, qui est venu gagner. Oui, Brad Sweet qui a été chercher la victoire dans la voiture numéro 49. Évidemment, on veut... les gars de Sprint Car font ça pour vivre. Hein? Donc, on veut courir le plus possible. On s'est rendu du côté de Knoxville. On le sait que c'est une piste qui est très rapide, une piste qui est... parfaite pour les sprint cars, donc on n'aura pas de surprise de ce côté-là. On s'est présenté là du côté de Brad Sweet, puis a été chercher la victoire. Là, on voit présentement une bagarre entre Spencer Baston et Giovanni Cesi, mais
C'est Brad Sweet, le Big Cat, encore une fois, là, qui a été chercher la victoire. Oui, l'homme à battre chez les World of Outlaws cette année. Il est le meneur au championnat. Et ce sera très difficile. Il connaît une saison à la hauteur d'un Donnie Schatz il y a quelques années. C'est vraiment l'homme à battre à tous les soirs. Oui, puis on parle de Donnie Schatz. Toujours pas eu sa 300e victoire. C'est très difficile. Brad Sweet, dans l'équipement de Casey Kane Racing, très performant. Il faut le dire aussi, James McFadden, qui est régulier cette année, a de très bons résultats également. Donc, du côté de Casey Kane Racing, on a trouvé la coche nécessaire pour avoir de très bons résultats. Et faut le dire, on peut demander à n'importe quel pilote. Ça se passe beaucoup là, au niveau de la confiance. Puis à chaque fois que Brad Sweet là, prend le volant, il est très, très confiant. Alors, là-dessus, c'était les quelques petites images qu'on avait à vous présenter sur les différents résultats. C'est maintenant le temps des choix du président. Des choix du président qui vous sont présentés par l'ami Tommy Lavallée. Plusieurs choses, encore une fois, à revenir sur en fin de semaine du côté de Granby. Mais avant ça, du côté américain, une 400e victoire en carrière pour Matt Shepard. Oui, 400e victoire pour Matt Shepard. Et ça s'est fait, là, c'est l'ironie du sort, du côté de Canandaigua. La piste qui a déjà 84 victoires là, à Canandaigua, Matt Shepard. Excellent pilote, vous le savez. Moi, je le suis depuis longtemps parce que c'était l'élève, justement, de Steve Payne. Vous savez mon amour pour Steve Payne. Donc, je suis sa carrière depuis longtemps à Matt Shepard. C'est peut-être pas la saison qu'il aurait espéré. Des résultats un peu plus en dents de scie, mais quoi qu'il en soit, là, ça n'a pas été facile parce que oui, il a été chercher la victoire, mais dans les derniers tours, il y a Alan Johnson là, qui a eu un bris, il a eu dû refaire la relance, mais Shepard était trop fort, a été chercher sa 400e victoire. Je pense que ça va être un des grands qui a passé ce côté des modifiés. Ça, ce n'est un des seuls qui ne s'est pas vraiment... Brett est allé courir quelques courses en NASCAR, je crois. Tu pourrais me corriger si je me... il était en sprint quelques fois, mais Shepard, lui, se concentre sur les modifiés. Oui, il a essayé un late model, mais je pense qu'il n'a pas aimé ça. Continue de courir en modifié, monte des modifiés. On sait, c'est lui qui s'occupe à bâtir la voiture de JF Corriveau. Mais Matt Shepard, je pense qu'il va laisser un grand héritage derrière lui lorsqu'il va prendre sa retraite. Il est encore jeune, fait qu'il a encore de très bonnes années devant lui. Parlons de ce qui s'est passé à Granby, des éléments marquants qui t'ont attiré en fin de semaine. Dur d'ignorer la brillante performance du jeune pilote Raphaël Goujon, 15 ans seulement, qui est venu remporter de brillante façon le B-Main. Quand même une course de 15 tours qu'il est allé remporter et en roulant majoritairement à l'extérieur en plus. Oui, Raphaël Goujon est allé chercher la victoire dans le B-Main. Ça n'a pas été facile parce qu'il a perdu la première position là, aux mains de Maxime Blain. Il a été recherché cette position-là. Et du côté de Raphaël, là, c'est un pilote qu'on a vu grandir. Là, puisque moi, j'étais dans l'équipe à Claude Brouillard. Claude Brouillard stationnait à côté de Sébastien Goujon à Drummondville. Donc, on était toujours une proximité avec cette équipe-là. Mais vraiment, là, avec Driver Simulation également, on a appris à connaître beaucoup Raphaël. Toi, tu les connais personnellement en plus. Une très bonne famille. Puis, on sait à quel point Caroline était nerveuse. Et je regardais, moi pendant que tu décrivais cette course-là, moi, je regardais sur le trailer des 44, puis je voyais les mains, puis je voyais qu'elle était nerveuse. Puis, moi, ça vient toujours me chercher des histoires comme ça. Première victoire, ça me rend très émotif. J'étais content de ne pas annoncer ça, parce que j'étais très émotif. On a eu une coupe de motons. Oui, c'est ça. Puis de voir la famille se rendre après, puis une belle famille de course comme ça. Je pense que le grand-père, là, en haut, là, il était très, très fier. Oui, absolument. Alain Goujon, le patriarche qui nous a quittés il y a quelques années. Sébastien a connu une bonne fin de semaine quand même. A terminé cinquième dans la course de vendredi. Problème mécanique dans l'épreuve d'hier. On a des images, justement, du B-Main. Mini Spider-Man est allé s'accrocher, c'est le cas de dire, à l'extérieur. Quelle bagarre avec Maxime Blain, qui, il y a cela quelques années, avait acheté une voiture Théo à l'équipe Goujon. Il s'est fait battre par Raphaël au cours de l'épreuve. C'est déjà stressant pour une mère de voir son fils courir. En plus, il va virer au large comme ça à Granby. Le mur. Puis il est passé droit deux fois là, dans la 3 et la 4. Là. Il s'est venu très près de décrocher. Ramener ça, était chercher la victoire. Encore une fois, on voit les images. Je pense qu'il est promis une très belle carrière, Raphaël. 15 ans quand même. Quelle belle jeunesse. Il n'est pas le seul. On parle de lui aujourd'hui, mais il y en a plein. Là. Je ne veux pas en oublier, là, mais ils sont nombreux. Eliott Gamache qui a fait ses débuts en fin de semaine. Ariane Imbeau qui est là. Carl Lotente qui fait le saut lui aussi. On a juste à regarder la liste des slingshots au cours des 5 dernières années. Ils sont tous montés. Exact. Donc, c'est super beau à voir. Alors, justement, là...
Raphaël qui sort de son véhicule, ça va bien, Sébastien qui était là aussi. Donc, beau moment pour la famille Bouillon. Je veux souligner aussi le travail. Ben est derrière la caméra, là, mais il a été dire de Laurence, ne faut pas passer. Parce oui. Il y avait le maximum. Donc, Ben a arrangé ça. Donc, Laurence, la sœur à Raph, a pu aller à la photo. La bulle. Respect de la bulle. On disait, c'est la même bulle, c'est la même bulle. Puis, on va terminer avec là-dessus, Tommy, les masques maintenant, le respect des mesures sanitaires. Moi, je me suis promené partout dans les puits vendredi, samedi. C'était à 98 % respecté en tout temps. Quand on l'enlevait, c'était pour manger. Donc, le 2 % c'était probablement pour boire de l'eau ou bien manger une poutine. Le reste, tous les gens ont respecté là, en tout temps le port du masque. Et ça va peut-être nous permettre d'aller aux courses la semaine prochaine. Oui, je pense que la première soirée, il y a des gens qui avaient retiré leur masque parce qu'ils pensaient que c'était comme l'an dernier. Ouais. On l'avait dit quand même, mais parfois, l'humain oublie, fait exprès d'oublier, donc on avait enlevé les masques. Et là, aussitôt que tu l'as dit au micro, là, moi, je regardais la réaction des gens, tu sais, puis il n'y a pas personne qui a rouspété vraiment. On a mis nos masques, on veut qu'il y ait des courses. On a mis nos croyances de côté parce que c'est vraiment partagé. Là. Allez sur Facebook, vous allez voir que c'est très partagé. Là. Mais au niveau, là, tout le monde a mis leur masque, tout le monde a respecté les mesures sanitaires. Je pense que c'est vraiment un gros statement que vous avez fait, les fans de course, les équipes. Vous voulez qu'il y ait des courses. Puis si j'étais Dominique Lussier, je serais très fier d'avoir vu ça. Tu sais, à un moment donné, comme je disais à Dominique cette semaine, je veux dire, on a fait tout ce qu'on pouvait. Tu sais, on n'a aucun regret parce que tout ce qui a été fait a fonctionné d'abord et a été respecté ensuite. Donc, à partir de ce moment-là, la décision ne nous revient pas. C'est aux instances de la santé publique de trancher. Mais ceux qui représentaient la santé publique ont été très surpris, agréablement surpris, de toutes les mesures respectées, mais aussi de la qualité des installations puis du spectacle présenté. Parce que qu'on ne me fasse jamais croire, parce que je vais prendre ma retraite immédiatement, si je n'aime pas un événement, je vais faire autre chose. C'est un événement qui est 4000 personnes, 750 spectateurs ont fait le même travail. On a fait une grosse présentation des pilotes samedi. Les pilotes le méritaient, puis les 750 spectateurs, la même chose. Oui, lorsqu'on les a vus se lever là, pour le 4 de large, là, je pense qu'ils ont fait autant de bruit. Puis le Gentleman Start Your Engine, les gens là, étaient tellement contents d'être là. Puis oui, il y avait certaines peurs parce qu'on se disait vendredi, si ça se passe mal, qu'est-ce qui va arriver samedi? D'ailleurs, mon père, c'était sa grosse peur. Il ne faut pas y aller vendredi, il y allait samedi. Il dit là, vendredi, il faut que ça se passe bien, je vais voir des courses. Ouais. Puis non, vraiment, chapeau à tout le monde. Puis on l'a dit, je ne sais pas si Dominique l'a dit tout à l'heure, mais il y a des gens de la santé publique qui vont revenir aux courses. Donc, ça, c'est une bonne affaire. On les a convaincus, même eux. Mais vraiment, chapeau à tout le monde, les équipes, les fans dans les estrades, les pilotes. Tout le monde avait leur masque. Même Ben se promenait avec des masques dans les poches pour être sûr que les gens dans le Winner Circle en aient un. Donc, tout le monde a partagé le même but. C'est qu'on veut continuer à faire notre passion. Puis, je pense que ça démontre vraiment le sérieux de tout l'événement de course. Ça démontre le fait que c'est pas vraiment une affaire de fond de cours là, comme on croyait. Puis je pense qu'on a ouvert les yeux à bien des gens. Et avant de terminer, Tommy, moi je veux... ben oui, vas-y, si ça te tente d'y aller avec la mise à jour, c'est Weed Sport que tu suis les résultats là, présentement. Oui, présentement, Weed Sport, c'est Billy Decker qui mène devant Matt Williamson, Justin Ears, Jimmy Phelps, Larry White, Stuart Friesen et Matt Shepard. Donc, les gros noms ont descendu. Ça va être très intéressant. Présentement, Decker est dans le trafic puisque ses temps sont très, très lents. Mais Matt Williamson, deuxième, ce serait pas une bonne victoire du côté de Matt Williamson. Mais du côté du NASCAR, Larson a 3 secondes d'avance avec 60 tours à faire sur son coéquipier Chase Elliott. Kyle Busch est troisième, William Byron et Alex Bowman. Donc, Kyle Busch est venu scinder en deux l'équipe Hendrick. Toute une performance quand même. Pas terminé, mais ça augure très bien pour Hendrick Motorsports. Juste en terminant, un petit message pour Yann Bussière, promoteur de l'Autodrome Drummond. Yann vit des moments difficiles. Il a hâte de revoir du monde dans les estrades. Je lui ai parlé à 2 reprises en fin de semaine et c'est pas facile. Il trouve ça très dur. On trouve ça tous très dur de ne pas pouvoir aller aux courses. Et Yann Bussière est un homme de passion. Un gars qui prend ça à cœur et lui, il veut mettre des gens dans les estrades et veut vous offrir un show. Yann, on est en arrière de toi, ça va bien aller, ça va se placer, on va aller aux courses dans pas grand temps. Lâche pas, chef, ça s'en vient, faut juste cultiver notre patience un petit peu plus longtemps. Puis si on a des courses en fin de semaine, bien, ce sera tout un spectacle à l'Autodrome Drummond le 5 juin. C'est la
C'est l'ouverture possible du côté de Drummondville. On souhaite y aller. Évidemment, toute l'équipe des gars de course sera là, ça c'est sûr et certain. Et si c'est possible, bien sûr, la veille, ben, on sera du côté de l'autodrome Grand Bay. Alors, je trouvais ça important d'envoyer un petit message d'encouragement. Puis si, et vous pouvez tous y aller sur son Facebook, allez l'inonder là, d'encouragement, Tibus, là, ça va y faire du bien, je pense. Puis on accroche les chapelets à la corde à linge pour la température, mais là, on va le faire pour les courses. Oui, exactement. Je pense que Yann Bussière là, mérite d'avoir des courses, il a travaillé fort. Puis Yann, sois pas inquiète, les estrades vont être pleines, mec, tout. Oui. Pleines. Distance. Maximum, au maximum. Allez, un gros merci à tout le monde d'avoir été en aussi grand nombre aujourd'hui. On a battu des records d'écoute aujourd'hui. C'est un peu à ça que ça va ressembler maintenant à l'émission cette semaine aux courses en direct de Saint-Hyacinthe dans notre studio. C'est extraordinaire, honnêtement. Là, au-delà de nos attentes, vraiment, vraiment agréable de faire ça. Il y a une armée, là, c'est bien beau. Là, moi, je prends le micro, j'anime l'émission, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent en arrière de ça. La famille Savoie qui est à pied d'œuvre, ils sont quatre à y travailler à tous les soirs de cette semaine aux courses. Et Ben Savoie, tout un flyman, mais aussi tout un régisseur de plateau. Prochain directeur de course. Ben est là, Pierre-Luc est là, Cédric, lui, est à la régie. Martin est au Saguenay à coordonner toute la situation. Minibeu qui était là également, je tiens à souligner. Présent pour les niaiseries, ouais, il les est niaiseries, là. Puis, c'est lui, d'ailleurs, cette semaine, hein, le Facebook du côté de Grand Bay qui n'a pas dérougi. Ben, Kevin Hébert est en arrière de ça. Pour une fois qu'un jeune avec un cellulaire, ça sert à quelque chose. Oui, c'est ça. Fait pas juste prendre des photos, au moins. Merci à tous. On vous invite d'ailleurs sur lesgodcourse.com. Vous avez un paquet d'articles en lien avec les deux soirées de course. On va continuer d'améliorer le contenu au fur et à mesure que la saison va prendre son envol. Puis on est là à temps plein dorénavant pour couvrir les événements sur la table dessus. Puis Anthony, qu'est-ce qui est le fun là-dedans, c'est que les textes de la fin de semaine sont même pas finis. On a de sorti beaucoup. On en a encore dans nos manches. Méliane en a fait un, j'en ai fait un. Donc, toute la semaine, vous allez avoir des belles nouvelles. Et vous aurez bientôt la nouvelle section de photos. On a dorénavant deux photographes, Don Simpson et Éric Pivin, qui se sont joints à l'aventure des gars de course tout récemment. Donc, ils auront leur propre section, la section photo. Donc, à suivre tout au cours de la semaine. On devrait revenir en principe lundi prochain pour cette semaine aux courses. On tente de s'ajuster un peu aux séries du Canadien. La décision de présenter l'émission était très bonne aujourd'hui. Enfin, tu sais, à un moment donné, on ne peut pas tous leur enlever leur code d'écoute là, les lundis soirs pendant les matchs de hockey. T'sais. Ça serait vraiment plat. Ça serait poursuivre par RDL. Non, ça serait pas une bonne idée. La semaine prochaine, probablement lundi, on vous tient au courant via nos réseaux sociaux. Ici Anthony Marcotte, au nom de toute l'équipe, Tommy Lavallée, notre président. On vous dit merci et on vous invite aussi à vous joindre à nous via notre page Facebook tout au cours de la semaine. Et demain, passez le mot, ce sera disponible en balado-diffusion. C'était cette semaine aux courses, une première vraie édition dans nos studios à Saint-Hyacinthe. Salut tout le monde, bonne semaine.